Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravi de vous accueillir au nom de l'Opinion et de la GFI pour ce colloque un peu particulier cette année, réalisé avec le CIAN. Un peu particulier parce qu'évidemment, il se déroule dans le respect des règles sanitaires, les gestes barrières et tout ce qui convient de faire pour éviter la propagation trop rapide de cette épidémie. Vous savez qu'on est dans une journée un peu particulière aujourd'hui en France. On attend des décisions qui seront annoncés ce soir. Mais en attendant, et encore une fois, dans le respect des gestes barrières, la vie continue, la vie économique continue. Elle continue en France, en Europe, et elle continue aussi en Afrique. On va en parler tout au long de cette matinée. Je vais immédiatement passer la parole à Alexandre Villegrain, qui est le président du CIAN. Nous travaillons, nous, l'Opinion, avec le CIAN pour l'organisation et de ce forum qui est en visio et d'un prochain rendez-vous qui sera, nous l'espérons tous, physiquement réalisé au début du mois de juillet à Paris, un événement qui prendra la suite des rendez-vous annuels que le CIAN fait maintenant depuis longtemps. Nous sommes en tout cas ravis d'être avec vous. Vous êtes très nombreux à vous être inscrits pour cette conférence. Et je passe tout de suite la parole à Alexandre Villegrain. Merci, Monsieur Bétou. Merci aussi aux équipes de l'Opinion et aux équipes du CIAN, bien sûr, qui ont permis que cette journée se passe dans les meilleures conditions possibles. Je sais que vous êtes nombreux à nous regarder, mais votre présence nous manque. Et je dois dire qu'elle manque aussi cette journée qui était un moment d'amitié, de convivialité. Et j'espère bien que l'année prochaine, on va pouvoir recommencer ça avec vous et tous ensemble. Le thème de la journée, bien entendu, c'est le rebond viendra des entreprises. Je vais directement aller à la conclusion, en tout cas c'est ce que je pense, c'est qu'elle viendra que des entreprises. Alors le rebond viendra des entreprises si il y a du financement, et ce financement ne peut exister que si les États flèchent correctement, avec constance, leurs objectifs. C'est uniquement comme ça qu'on trouve du financement stable et des entrepreneurs qui veulent investir. Si vous n'avez pas ça, c'est très compliqué. L'Afrique ne manque pas de possibilités de projets. Elle manque simplement, souvent, d'États qui orientent correctement ces projets. Nous sommes à l'orée, je pense, avec ce Covid, d'un nouveau monde. En tout cas, tout le monde le pense. Alors, on peut se dire que ce nouveau monde va pouvoir bénéficier à l'Afrique. Et les nouveaux mondes et les nouveaux paradigmes, c'est souvent des nouveaux mots et de supprimer des anciens. Il y a une chose qui me paraît et qui nous paraît à tous, les entreprises, quelque chose qui est, et je pense aussi aux pays africains et aux Africains eux-mêmes, c'est ce mot aide qu'il faudrait bannir du vocabulaire entre les gens riches et les gens qui ont besoin des financements. Il faudrait parler de financement, du financement du développement, du financement des infrastructures, du financement des entreprises et du financement des entrepreneurs. C'est de ça dont l'Afrique a besoin. Elle n'a pas besoin d'aide, elle a besoin simplement qu'il y ait un flux normal de financement pour ses entreprises et ses entrepreneurs. Voilà, ça c'est le plaidoyer d'un entrepreneur qui est un entrepreneur aussi et qui représente les entrepreneurs présents en Afrique. Voilà, ben j'espère que tous, on va se retrouver l'année prochaine en présentiel et que cette pandémie sera derrière nous. Il est clair aussi qu'il me semble que l'Afrique a plutôt très très bien résisté. On l'a nommé, on avait très peur au début de l'année dernière de ce qui se passerait. Elle a plutôt été très bonne, et plutôt, je dirais, des pays qu'on n'attendait pas du tout ont été dans l'excellence de la protection du Covid. Voilà, mes chers amis, maintenant je vous repasse la parole, Nicolas. Bienvenue à M. Amon Ibrahim, que je connais bien et qui nous inspire tous depuis beaucoup d'années. Bravo, à vous. Merci beaucoup.
Voilà, bonjour Mo Ibrahim, vous êtes en direct de Londres, où vous passez une partie de votre vie aujourd'hui. Mo Ibrahim, vous êtes le président de la fondation qui porte votre nom, la fondation Mo Ibrahim. Vous êtes une des personnalités africaines les plus connues, les plus réputées au monde. Et vous avez eu, si j'ose dire, deux vies. Une première vie comme ingénieur, spécialisé dans les télécoms. Vous avez fait des études en particulier en Grande-Bretagne. Vous avez créé ensuite une entreprise qui est devenue une grande entreprise de téléphonie mobile. Vous avez ensuite revendu cette entreprise pour recréer à la fois un fonds, Satya Capital, et c'est votre deuxième vie, une fondation. Tout ça vous a amené d'ailleurs à figurer un moment dans le top 100 des personnalités les plus influentes du monde, classement établi par Time Magazine. Cette fondation que vous avez créée, cette fondation Mo Ibrahim, est dédiée à la promotion de la démocratie dans le monde, faire en sorte que, et dans le monde et en Afrique en particulier, faire en sorte que les pays africains progressent dans à la fois le respect des droits de l'homme et la démocratie, parce que sans la démocratie, le développement ne peut pas suivre. Vous publiez tous les ans un classement, un index, on va en parler. Vous publiez et vous donnez un prix tous les ans au chef d'État le plus référent, ou en tout cas celui qui a le plus mérité dans le respect de ces critères que vous imposez. Cette année, c'est le président du Niger, M. Issoufou, qui a remporté ce prix. Et votre influence est désormais considérable, sur tout le continent, bien sûr, et au-delà. Donc, merci d'être avec nous. Thank you for being there with us, Mo Ibrahim. It's really a great honor for us to have you in a conference at this moment. I will put my question in French and then in English, and you talk in English, and there is a translation. No worry for you. Mo Ibrahim, on va commencer avec l'impact, évidemment, de cette crise sanitaire et de la crise économique qui en est suivie pour le continent africain comme pour tous les continents. L'Afrique souffre assez peu de la crise sanitaire, assez peu relativement, je veux dire, par rapport à l'Europe et par rapport aux États-Unis. Africa suffers relatively lightly from the disease because there are about 4 million people infected and only, if I may, 100,000 people dying because of COVID. Mais la crise économique a été beaucoup plus forte que la crise sanitaire. The impact of the economic crisis has been worse than the health crisis. Why is it like that, Mo Ibrahim? Well, thank you very much. Good morning to you. Merci, and good bonjour morning à tous. To all the people in this et call. Thank you very bonjour much à toutes les personnes sur le plateau. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis très reconnaissant pour votre invitation et vous avez raison. Il y a deux crises, la crise sanitaire et la crise économique. La crise sanitaire, malheureusement, en fait, nous n'avons pas beaucoup de données fiables. Combien de personnes exactement ont été infectées, qui est mort du virus? En fait, ça n'est pas très clair à cause d'un manque de statistiques fiables. Beaucoup d'interprétations restent ouvertes là-dessus. J'ai demandé à beaucoup de personnes, différents experts. Certaines personnes pensent que, en termes de la démographie africaine, qui est plus jeune, donc moins d'infections. Nous ne savons pas exactement. Mais les faits que nous connaissons, c'est que beaucoup de dirigeants africains se sont bien comportés en fait, par rapport à cette crise. Ils ont mis en place des confinements très tôt. Je sais que certains travailleurs des Nations Unies sont allés à Djouba, la capitale du Soudan du Sud, en février, du Sud-Soudan, et il n'y avait pas d'incidence reportée du tout à ce moment-là dans le Sud-Soudan et dans la plupart de l'Afrique à l'époque. Mais leur température a été prise à l'aéroport, on leur a demandé toute une série de questions par rapport à là où ils étaient allés, etc. Et lorsqu'ils sont revenus,
par le biais d'aéroports à Amsterdam, Bruxelles, etc. Et là, aucune question ne leur a été posée une semaine plus tard. Et beaucoup de pays en Europe ont réagi très tard. Donc c'était un bon aspect par rapport à la réaction africaine. Bien sûr, nous avons eu quelques personnes, des dirigeants qui étaient en déni. Je ne sais pas si vous êtes conscient, si vous avez entendu dire que hier le président de la Tanzanie est décédé. Lui était dans le déni par rapport à cette épidémie. Il refusait de reconnaître les nombres, refusait de reconnaître l'utilité des masques, et d'autres pays ont aussi nié en fait l'ampleur de cette crise, et il est mort du Covid malheureusement hier, donc une tragédie, mais voilà pour souligner ce fait. La plupart des pays ont réagi, nonobstant, par rapport à cette crise assez tôt, et ont mis en place des confinements. Il n'y avait pas malheureusement d'espace budgétaire par rapport à ces confinements pour soutenir les entreprises qui ont été affectées. Et les gouvernements ont demandé aux personnes de rester donc à domicile, et ils recevraient des chèques pour soutenir au quotidien. Ils avaient des bons alimentaires également. Il y a eu bien sûr des limitations des libertés, mais la plupart des familles ont accepté ce fait. Malheureusement, dans beaucoup de pays, il n'y avait pas ces ressources pour soutenir revenus des personnes au quotidien. Beaucoup de personnes n'avaient pas accès à Internet, ne pouvaient pas avoir accès aux bons alimentaires ou quoi que ce soit, ne pouvaient pas recevoir des livraisons d'Amazon ou quoi que ce soit. Donc, ça a été très dur, et en particulier pour les entreprises. En France, par exemple, 15 milliards d'euros ont été distribués pour soutenir les personnes et les entreprises. Au Royaume-Uni, c'est encore plus élevé. Aux États-Unis, on parle de milliers de milliards de dollars pour soutenir l'économie. Ceci n'a pas été disponible en Afrique, et malheureusement, la crise économique est très grave. Et donc, crise économique très grave. Comment est-ce que vous prévoyez l'année 2021? En 2020, pour la première fois depuis 30 ans, il y a eu une récession. Quelles sont vos prévisions pour 2021? For the first time in 2020, in year 2020, there was a recession in Africa. What is your forecast for 2021? I think it's tough. Je pense que ça va être dur, et beaucoup dépendra de ce que le FMI fait. Nous savons que Cristalina Girola, donc la dirigeante du FMI, a donc poussé beaucoup pour mettre en place les droits de tirage spéciaux le plus rapidement possible. Et ceci donc peut être émis demain pour soutenir les pays à faible revenu, etc. Et en particulier sous donc le précédent mandat aux États-Unis, il y avait un manque de reconnaissance de ceci. Heureusement, ça a changé avec M. Biden. Et donc, j'espère qu'il va y avoir quelque chose de fait rapidement pour soutenir l'Afrique dans ce sens. Et dans la précédente crise économique, ceci a été utilisé très rapidement pour aider les économies des pays, et en particulier donc les pays en développement, pour les aider à surmonter cette précédente crise. Et maintenant, les marchés internationaux ont besoin d'aide, et j'espère que le FMI va aider dans ce sens, et beaucoup dépend de cela. Il s'agit beaucoup de diplomatie ici, de ce fait. Ibrahim, est-ce que le modèle, une fois la crise passée, on espère tous qu'en 2021 cette crise sera passée, est-ce que le modèle de développement de l'Afrique doit changer? We all of us we hope that the crisis will be resolved in year 2021, but how the African model for development has to change? Yeah, first, Thomas, I'm not sure if the crisis will be over.
Thomas, je ne suis pas sûr que la crise se termine bientôt parce qu'il y a vraiment un manque de vaccins. Très peu de vaccins sont arrivés sur le continent africain. Il y a eu du nationalisme vaccinal. Les plus grands pays, les plus grosses économies se sont accaparés en quelque sorte les vaccins. Beaucoup de pays ont commandé des vaccins qui couvrent leur nombre de citoyens 5 ou 6 fois. Je ne sais pas pourquoi, pour faire des réserves, mais en tout cas, ce qui veut dire qu'il y a très peu de réserves disponibles à l'international. Et le fait est que ce virus mute. Si l'on n'essaie pas de l'arrêter rapidement, de nouvelles souches, de nouveaux variants vont circuler. Et si vous vous rappelez, les variants n'ont pas besoin de passeport pour voyager. On ne peut pas être en sécurité si les autres êtres humains ne sont pas en sécurité. C'est un fait. Donc, c'est une question mondiale. Il faut lutter contre cette pandémie de façon mondiale. Et ma crainte, c'est vraiment cette troisième vague qui sera très mauvaise parce que les vaccins actuels pourraient ne pas être efficaces par rapport à cette troisième vague. Et tout va dépendre du comportement. Nous espérons qu'il y aura de bons comportements par rapport à cela et la capacité d'agir de façon internationale et comme des êtres humains, tout simplement. On va revenir sur les vaccins, bien sûr, dans un instant, mais je comprends que vous êtes plutôt pessimiste sur le retour de la croissance en 2021. We will talk about vaccine in a few moments, but I can understand that you're rather pessimistic about the rebound and the recovery in year 2021. Yes. Oui, en effet. Yes. We really need some good behavior. Nous avons vraiment besoin de comportements adaptés pour que cette reprise ait lieu partout. Il faut des plans de relance qui soient mis en place rapidement pour nous aider avec cette reprise. Et par rapport au G7 et au FMI également, il faut aussi regarder la distribution mondiale des vaccins. Cette troisième vague n'est pas une menace seulement pour l'Afrique, il s'agit aussi de la France, du Royaume-Uni, parce que cette troisième vague est tout à fait possible avec des variants bien plus virulents, peut-être, et les vaccins qui sont utilisés actuellement pourraient être inefficaces. Il faudrait revacciner tout le monde avec d'autres vaccins, peut-être. Donc il faut agir de façon mûre et désintéressée. Mais dans l'intérêt général, il n'y aura pas de victoire d'un pays isolé. Il faut gagner tous ensemble ou perdre tous ensemble. Agir dans l'intérêt général, est-ce que ça veut dire par exemple que vous militez pour que les brevets des vaccins soient mis dans le domaine public? Do you ask that the license for vaccine are public and not private property? Yeah. Oui. I think that look even under the WTO rule. Même sous les règles de l'OMC, c'est-à-dire le mondial du commerce, on peut lever en fait les droits de brevet. Et donc, si ceci n'est pas une crise qui justifie une telle mesure, qu'est-ce qui définit une crise? Il faut être sensé et permettre la production de ce vaccin partout. Même en Europe, il y a un problème actuel avec les vaccins. Il faut booster la production et les capacités de production pour tout le monde. Et les entreprises pharmaceutiques et les organisations internationales et les gouvernements doivent agir de façon raisonnable et rapide. Imaginons que les barrières sont levées. Qu'est-ce qu'il faut encore pour que le vaccin soit produit en Afrique, qu'il soit développé, distribué, que la chaîne du froid, que tout ce qui est stockage soit développé? Let's put the hypothesis that there is no barrier against the vaccine. How to produce it in Africa? How to develop the distribution, the cold chain, the storage, etc. How do you manage that? How can you imagine to manage that?
Bien sûr, cela dépend du type de vaccin parce que tous les vaccins ne demandent pas des températures extrêmes en termes de conservation. Donc certains vaccins peuvent être manipulés bien plus facilement, bien sûr. Et le défi en termes de logistique n'est pas si terrible que cela. Beaucoup de pays se sont présentés, les Émirats arabes unis se sont présentés comme hub en fait, de distribution dans la région. Malheureusement, il n'est pas utilisé actuellement parce que tous les vols sont gelés, mais c'est quand même surmontable. Il y aura plus de défis dans certaines zones, mais c'est faisable. L'Inde a beaucoup de capacités de production de vaccins. Et l'une des propositions est de permettre aux fabricants indiens de produire ce vaccin, ce qui aiderait tout le monde. Il y a une diplomatie du vaccin qui est en train de se mettre en place un peu partout dans le monde. Vous parliez de l'Inde à l'instant, la Chine. Quel est le pays qui est en train de prendre des parts de marché, si j'ose dire, sur le vaccin en Afrique? There is a diplomacy of vaccine in the world. What is the country which is taking the place in Africa? China, India, any other one? Well, I mean, of course. Oui, bien sûr. La Russie a fourni certains vaccins à un ou deux pays. L'Inde, en fait, a fait des dons de vaccins à 7 ou 8 pays. Le COVAX, qui fait un travail formidable et qui subventionne des vaccins également. J'étais très heureux d'entendre le président Macron qui parlait de la livraison de 3 à 4% du stock actuel des vaccins des pays riches vers les pays qui en ont besoin. Est-ce que vous avez entendu parler de cela, que la France va peut-être donner 3 ou 4% de son stock vaccinal? La France manque de vaccins, mais c'est vrai que le président de la République très vite a dit qu'il fallait penser à l'Afrique. There is a lack of vaccine in France for the moment, but that's true that President Macron very soon talked about delivering a large part of vaccine for Africa. I hope so. Oui, I j'espère. Est-ce qu'on peut parler de votre fondation, la fondation Mo Ibrahim, et de cet indice et de ce prix que vous donnez tous les ans? Votre objectif, c'est le développement de la démocratie en Afrique. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que vous travaillez, quelles sont les causes que vous sélectionnez, et comment est-ce que vous faites progresser justement cette grande cause en Afrique? Let's talk about the Mo Ibrahim Index and the foundation. How do you manage that? How do you work? How do you select your big facts and society facts? Right, I think the important, we do a number of things. Nous faisons un certain nombre de choses, mais je pense que les deux choses les plus importantes que nous faisons, donc premièrement, c'est l'indice, parce que la gouvernance est cruciale. Sans une bonne gouvernance, on ne peut pas avancer. Et c'est vraiment le problème que nous rencontrons en Afrique. Comment faire avancer la gouvernance? Et nous la définissons comme étant une livraison de biens publics et de services publics en termes d'infrastructures, de santé, d'éducation, de l'état de droit, de la transparence, l'absence de corruption. Donc ce sont les biens publics que les gouvernements doivent livrer et qui sont mesurables. Et donc il faut avoir une discussion objective là-dessus en Afrique et avoir les données. Nous mesurons jusqu'à 100 paramètres pour voir tout en termes de l'égalité hommes-femmes, discrimination, les droits de l'homme, la gouvernance publique, l'équilibre des pouvoirs. Nous regardons la société civile, les gouvernements, les institutions, etc., pour voir où ils se placent, quels obstacles ils surmontent et comment ils avancent. Et ceci est une grande aide pour avoir une discussion sur le développement en Afrique basée sur des données fiables et pas de la rhétorique. Ensuite, nous offrons une récompense pour l'excellence de leadership en Afrique. Et c'est un symbole.
Ce que nous demandons aux dirigeants africains, c'est de faire leur travail, de s'assurer qu'ils entrent au pouvoir légalement et quittent le pouvoir légalement sans bidouiller avec leur constitution et qu'ils livrent à leur population les biens et services publics. C'est leur travail. Et nous mesurons ces rendements. Je ne suis pas en fait membre du comité de remise de prix. Je préfère avoir un rôle plus neutre, mais nous remettons cette récompense pour célébrer la bonne gouvernance. Et je suis très fière que nous ayons déclaré un gagnant cette année, donc le président Youssoufou du Niger. Et vous pourriez être fier, vous aussi, car c'est le premier pays francophone africain à gagner ce prix. Avant, c'était le Botswana, le Mozambique, la Namibie, le Libéria. Et cette année, nous avons eu un pays francophone pour la première fois. Et en fait, c'est le pays le plus pauvre du monde. Donc, il y a de quoi célébrer ce leadership de bonne gouvernance qui a réussi à faire avancer son pays, à surmonter tous ses obstacles. C'est ce type de choses que nous essayons de faire. Est-ce que votre prix ou est-ce que votre fondation s'intéresse aussi à la gouvernance économique? Je veux dire, les entreprises ont un mode de fonctionnement à peu près uniformisé aujourd'hui dans le monde. Est-ce que vous surveillez ça aussi? Do you establish a survey about the economic governance in the African companies? Non, malheureusement, nous ne faisons pas ça. C'est un autre gros projet et je suis d'accord avec vous. J'aimerais que ce soit fait. Car, vous savez, Thomas, la gouvernance est cruciale non seulement du côté public, mais également du côté privé. Si nous n'avons pas de bonne gouvernance dans nos conseils d'administration, par exemple, nous allons avoir des difficultés. Nous voyons la problématique de la corruption très sévèrement, mais comme vous le savez, la corruption a deux partenaires. Il y en a un qui est dans un palais et l'autre qui est au conseil d'administration d'une grande entreprise. Il faut voir les deux côtés. Et donc, il faut demander aux personnes dans le monde des affaires d'être raisonnables et honnêtes. Et c'est un gros projet et j'espère que des personnes vont se présenter pour aider et participer à ce projet. Il faut mesurer la gouvernance dans la communauté des affaires et des entreprises. Pour la première fois en 2020, depuis la création de votre indice, cet indice a légèrement reculé sur la moyenne du continent africain. C'est dû évidemment à la crise sanitaire et à la crise économique. Vous n'êtes pas très optimiste sur la crise sanitaire. Est-ce que vous pensez que cet indice va reprendre sa progression en 2021? For the first time in year 2020, your index has been declining in Africa, in an average in Africa. Are you optimistic for this rebound about your index in year 2021? I really hope so. Oui, j'espère. Nous sommes inquiets de cette détérioration en termes de gouvernance dans les deux dernières années, en fait. Vous savez ce qui se passe? Je pense que la gouvernance partout dans le monde est en déclin dans les dernières années. La montée d'hommes forts dans différents endroits du monde, même dans certains des pays démocratiques les plus éminents, n'a pas aidé. Ceci a instauré un climat, une atmosphère qui permet à ces personnalités très fortes, ces hommes forts, de dominer la scène internationale. Et nous avons vu un affaiblissement des institutions internationales, des dirigeants qui quittent des accords internationaux, l'accord sur le climat, les accords de libre-échange, l'accord, donc, des accords sur
la criminalité internationale. Donc cette gouvernance internationale est en déclin et ceci donne un mauvais exemple à nos dirigeants parce qu'ils commencent à agir en toute impunité. Personne ne se présente pour dire qu'est-ce que vous faites ? Comportez-vous correctement ? Parce que si on ne se comporte pas bien dans nos propres démocraties, comment peut-on demander aux autres de bien se comporter également ? Donc je suis inquiet de cela et j'espère que cette atmosphère, cette ambiance générale va changer et j'espère qu'avec la nouvelle administration aux États-Unis, de nouvelles forces démocratiques qui remontent et la fin, j'espère, de cette culture d'hommes forts qui provoque beaucoup de dégâts et qui crée beaucoup de dommages de par le monde va se terminer. Merci beaucoup, Mo Ibrahim. Il y a de très nombreux, des centaines, un peu plus de 1000 personnes qui vous écoutent en ce moment même. Et puis, évidemment, notre entretien sera rediffusé sur les réseaux. There are about 1,000 people listening to us, actually, and there will be a replay on the social network. Est-ce que vous avez un message à passer à tous ces chefs d'entreprise qui sont là, qui vous écoutent? Do you have a message to deliver to all these CEOs who are listening to you? Eh bien, d'abord, merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter. J'espère que nous allons travailler ensemble pour faire avancer le développement en Afrique. L'Afrique doit rebondir. Il faut travailler de concert entre les entreprises et les gouvernements africains. Il faut avoir une reprise verte et durable. Il faut s'écarter de la dépendance d'une ressource minière ou extractive. Il faut avoir l'œil sur l'agriculture. Il faut de l'électricité, tout simplement. Beaucoup de pays africains n'ont pas assez de couverture électrique. Et correspondance, il y a une correspondance entre l'électrification et c'est un petit peu comme Internet, et on peut avoir des sources d'électrique verte également, d'électricité, pardon, verte, qui peuvent se développer rapidement. Il faut aussi des partenariats publics-privés, et il faut aussi une bonne gouvernance. Donc, n'acceptez pas de pots de vin, ne cédez pas aux sirènes. Et merci beaucoup d'avoir participé et d'être là pour m'écouter. Merci beaucoup, Mo Ibrahim. Nous étions très fiers, très, très honorés de vous avoir avec nous à ce colloque en visio. Je vous recommande la lecture de ce magazine que l'Opinion a publié avec le CIAN, qui fait le point sur le développement des pays africains et qui mentionne de façon très précise votre index et la notation des pays. Thank you very much, Mo Ibrahim, for being there and for this large keynote. Thank you very much, Mo Ibrahim. Thank you very much. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vais passer maintenant la parole à Sandrine Soreuil, qui est la directrice générale du CIAN, pour présenter le travail que fait le CIAN chaque année, et en particulier le baromètre du CIAN 2021. Sandrine Soreuil. Bonjour Sandrine Soriol, vous êtes directrice générale du CIAN, poste que vous occupez depuis 2016. Vous allez nous présenter le baromètre que le CIAN réalise depuis de nombreuses années à l'occasion de son Forum Afrique, disponible dans le magazine que Nicolas a présenté à l'instant, mais également disponible sur le mini-site de notre événement, pardon, à l'adresse suivante forum-afrique-2021.fr. Bonjour Sandrine. Bonjour Olivier. Alors, petit récapitulatif, pouvez-vous déjà nous rappeler la méthodologie et le pourquoi et le comment de ce baromètre annuel ? Tout à fait, Olivier. Donc le CIAN, c'est le Conseil français des investisseurs en Afrique. Et en France, c'est l'association qui rassemble les entreprises qui travaillent en Afrique. À ce titre, elle les représente et les soutient. Et depuis 30 ans, en fait, le CIAN
mène une enquête auprès des dirigeants des entreprises internationales sur le continent, sur la conjoncture et le climat des affaires. Il y a deux volets dans l'enquête. Donc un volet conjoncturel et un volet structurel. Tout à fait. Donc l'enquête 2020 était réalisée auprès des dirigeants de filiales africaines, d'entreprises internationales, bien sûr avec l'aide des adhérents du CIAN, mais aussi le réseau des chambres de commerce franco-africaines de CCI France, toute la team France Export, Business France, les conseillers du commerce extérieur. Je les remercie vraiment de leur aide. Je vous interromps, pardon. Ça, c'est un point important. C'est-à-dire que vous n'interrogez pas que des entreprises françaises implantées sur le sol africain, mais aussi, plus largement, des entreprises internationales. Ce qui rend les résultats de ce baromètre d'autant plus intéressants. Exactement. Et on n'interroge pas les sièges. On interroge vraiment les implantations locales pour qu'ils donnent une photographie, leur regard sur l'environnement des affaires. Donc, c'est les gens qui le vivent au quotidien, cet environnement des affaires. Alors, on voit sur l'écran qui s'affiche, sur la slide qui s'affiche à l'écran, la répartition géographique. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas simplement des entreprises basées dans le Maghreb ou en Afrique de l'Ouest, mais vraiment sur tout le continent aussi. Ça rend les résultats d'autant plus saillants. Oui, Olivier, c'est d'ailleurs corrélé avec la présence des entreprises françaises. Elles ne sont pas du tout uniquement en Afrique du Nord ou en Afrique de l'Ouest, comme on le croit souvent. Elles sont vraiment dans toute l'Afrique. Et nous avons même des adhérents du CIAN qui sont dans les 54 pays. Donc, c'est bien tout le continent qui est couvert. On va peut-être passer à la slide suivante. Oui, alors juste pour vous dire que nous avons reçu des réponses de 44 pays. Et comme il faut un certain nombre de réponses pour pouvoir faire des comptages, on a publié dans le magazine des réponses sur 31 pays. Très bien. Slide suivante, peut-être. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est ? Alors, évidemment, année très particulière. Nicolas et Mouibrahim en ont parlé juste à l'instant. Une méthodologie qui reste identique aux années précédentes, mais néanmoins des résultats qui sont teintés, qui ont une consonance différente du fait de cette pandémie, la Covid. Qu'est-ce que ça nous raconte cette année, du coup ? Alors, effectivement, c'est un baromètre, donc normalement, on pose toujours les mêmes questions. Mais cette année, on ne pouvait pas ignorer la crise sanitaire, donc on a rajouté une question sur l'impact du Covid. Donc, même si l'Afrique a été le continent le moins affecté par la pandémie en termes de contamination et de décès, rappelez-vous qu'on a eu de fortes craintes au moment de la pandémie sur la résistance des systèmes de santé. Et donc les pays africains ont réagi rapidement et avec beaucoup de méthodes et ils ont décrété aussi des confinements. Donc le début de l'année 2020 a été fortement perturbé. Il y a naturellement des chiffres d'affaires qui ne se sont pas faits. Donc en fait, ce que votre baromètre indique, c'est vraiment une photographie qui rend compte de l'empêchement des économies africaines et de l'arrêt de l'activité ou du très fort ralentissement rencontré par vos adhérents ou les personnes que vous avez interrogées. Alors notre baromètre rend compte de la vision des entreprises, donc c'est pas l'ensemble de l'économie. Et par exemple, la crise a eu beaucoup d'impact sur le secteur informel et sur la grande pauvreté. Mais ça, c'est pas dans notre baromètre puisque nos entreprises, elles s'adressent pas forcément à cette cible. Et sans surprise. Au niveau global, il y a bien cette année une récession de moins 2,1% qui est annoncée pour le continent, alors que les prévisions étaient sur une croissance de plus de 3%. Sur la droite de l'écran, on se rend bien compte, le digital a pris une importance toute particulière pour lutter contre la pandémie. On le verra avec nos intervenants suivants. Ça ressort très nettement. Oui, il y a trois points à retenir sur l'économie. Un début d'année où la Chine a moins acheté de matières premières puisqu'elle avait verrouillé son économie et donc un impact sur les richesses des pays producteurs de matières premières et dont les économies dépendent de leurs exportations. Mais après, la Chine a repris, donc il y a eu un certain rattrapage. Après, il y a eu des secteurs qui étaient à l'arrêt et certains le sont toujours, comme le transport aérien, le tourisme d'affaires, qui sont importants pour les capitales africaines, l'événementiel. L'éducation et le commerce ont été touchés. Il y a des pays où les écoles sont restées fermées pendant une année. Le commerce, lui, a plutôt rouvert. Et donc, au final, les entreprises qui produisent des produits alimentaires de base s'en sont bien sortis, celles qui avaient un portefeuille diversifié, le transport, la logistique, le BTP ont bien repris leurs activités. Alors, peut-être va-t-on passer à la slide suivante. Voilà, qu'est-ce que ça, là on voit bien, impact sur les chiffres d'affaires. Et là,
sur 2020, évidemment, 57% qui... Enfin, je vous laisse commenter ces résultats. Oui, pour 87% des dirigeants, la Covid a affecté beaucoup ou moyennement leur activité. Mmh. Mais il y a quand même des disparités régionales. Par exemple, plus de 70% des dirigeants d'Afrique du Nord et d'Afrique centrale estiment que la Covid-19 a même beaucoup perturbé leur activité. C'est moins le cas en Afrique de l'Ouest et en Afrique australe, où là, il y a même des gens qui disent non, faiblement impacté. Alors, Moi Ibrahim, à l'instant, faisait part de, non pas de son pessimisme, de dire attention, là, on n'est pas encore sorti de l'affaire Covid. Il y a quand même une nette différence entre les gens qui déclarent, qui s'attendaient à une forte baisse de leur chiffre d'affaires en 2020 et en 2021. Comment l'expliquez-vous ? Alors, cette enquête a été réalisée en fin d'année 2020, donc on espérait s'en sortir mieux de la crise et on n'anticipait pas une deuxième vague qui d'ailleurs aura peut-être un peu plus d'impact en Afrique sur le plan sanitaire, parce qu'on constate qu'elle paraît plus mortelle. Donc là, c'est le regard des dirigeants à la fin de l'année 2020. Et donc, ils avaient beaucoup d'espoir sur 2021. Ils pensaient que leur activité allait bien repartir. Et puis, ils se sont aussi organisés pendant 2020. Ils ont mis en place des nouvelles offres ou une digitalisation de leur entreprise qui leur permet d'envisager une année 2021 meilleure. On est moins dans la crise, là. On est dans la reprise. Vision globale sur les chiffres d'affaires. Après, nous avons un éclairage géographique. Alors... Comment doit-on lire ce slide ? Alors, au global, 56% des entreprises annoncent pour 2020 un chiffre d'affaires en retrait par rapport à 2019. Et sur cette diapositive, on voit les disparités entre les pays. À gauche, on voit les pays comme le Niger ou le Kenya, où le chiffre d'affaires des entreprises est moins affecté. Et à droite, les pays où la situation est la plus dégradée. 100% des entreprises, par exemple en Tanzanie, nous ont dit qu'elles étaient affectées. Mais là, je crois que c'est aussi lié à notre échantillon. On a un échantillon qui est assez petit dans ce pays et l'activité de ces dirigeants est très liée au tourisme. L'économie africaine a deux grosses locomotives, l'Afrique du Sud et le Nigeria. On voit que ces deux pays ne sont pas placés au même endroit sur ce slide. Tout à fait. L'impact sur l'Afrique du Sud est assez contenu, le pays à droite. Pour le Nigeria, la deuxième économie, on a l'effet de la baisse et de la dépendance au pétrole et l'effet de la crise. Notons quand même que, par exemple, la Côte d'Ivoire, qui est aussi une économie importante, et en particulier pour les entreprises africaines, a connu aussi une période électorale assez tendue. Malgré cela, 50% des entreprises conservent leur chiffre d'affaires. Alors là, on s'est intéressé aussi au chiffre d'affaires. Quelles sont les prévisions sur le business, c'est-à-dire chiffre d'affaires et bénéfices. Oui. Je crois que c'est sur le slide d'après. Oui, il y a 60% des chefs d'entreprise qui espèrent un exercice 2020 à l'équilibre ou bénéficiaire quand on les a interrogés. Donc on était en fin d'année, donc ils savaient déjà où ils allaient. Ce qui montre vraiment la résilience du continent. Et pour 2021, quelles sont les économies les plus dynamiques ? C'est ce qu'on a présenté sur cette diapositive. Donc en haut à droite, voilà. Ouais, j'allais dire, en abscisse, on a indiqué les entreprises qui... En abscisse, c'est le pourcentage des entreprises qui déclarent que leur chiffre d'affaires va croître. Et en ordonnée, le pourcentage de celles qui comptent faire des bénéfices. Donc on a dans le cadran en haut à droite les pays les plus dynamiques. Par exemple, l'Égypte, qui attire d'ailleurs beaucoup d'investissements directs et étrangers en ce moment. Et deux pays en panne, Tunisie. Oui, deux pays en panne, la Tunisie et la Centrafrique. La Tunisie très marquée par l'arrêt du tourisme et puis par une gouvernance qui est en train de se réinventer. Donc un pays un petit peu à l'arrêt. Alors le temps presse, on va passer à la suivante. Alors l'environnement des affaires. Déjà, expliquez-nous ce que vous entendez par environnement des affaires. Alors... Les gouvernements demandent souvent à des associations comme le SIAN comment on peut faire pour attirer plus les entreprises et les investissements privés. Donc c'est ce type d'étude qui permet d'entrer en dialogue avec les autorités, de souligner les progrès qui restent à faire. Et donc on interroge depuis 30 ans les chefs d'entreprise sur 39 critères. Donc c'est assez complet. On leur demande une note de 1 pour mauvais, 3 moyens et 5 satisfaisants. Et il y a 8 critères d'infrastructure, 9 sur l'administration, 4 sur l'économie et la finance, 6 sur le social, 7 sur le coût des facteurs de production, 2 sur le développement durable. Le temps presse, on a dépassé notre temps de parole. Des résultats donc à retrouver intégralement dans le magazine, sur le site internet. Peut-être juste pour conclure, les deux points les plus saillants sur... cet environnement des affaires se juge aussi sur la qualité des infrastructures telles que ressenties, telles que évaluées par les gens que vous avez interrogés.
qu'est-ce que ça nous dit sur ce point ? Alors, les infrastructures continuent toujours de se renforcer. Les projets sont financés par l'aide publique au développement. Ça avance bien. Mm-hmm. Donc, les routes s'améliorent, les ports fonctionnent, les télécoms et l'accès à Internet sont satisfaisants. Crucial en temps de Covid. En matière d'équipement, l'Afrique centrale reste néanmoins toujours un petit peu en retard sur le reste du continent. Et toujours ce gros point rouge du coût de l'électricité. Le coût de l'électricité, c'est lié aussi à la distribution électrique. Il y a une slide qui est présente, qui est insuffisante. Et donc, les entreprises ont besoin de pallier à cette absence d'électricité ou aux pannes fréquentes en ayant aussi des groupes électrogènes et d'autres moyens d'équipement qui renchérissent le coût de production. Merci Sandrine. Merci Olivier. Pour cette présentation. Nous allons passer à la troisième séquence de cette conférence en ligne consacrée à la relance en Afrique. Je vais accueillir Olivier Rogez, qui est grand reporter à RFI, qui est notre partenaire média pour cet événement. Bonjour Olivier, bienvenue. Alors, bonjour à toutes et à tous. Nicolas et Ibrahim ont évoqué la situation économique en Afrique, hein, relativement épargnée par la crise sanitaire, mais qui en revanche était frappée de plein fouet par la crise économique. Récession, la première en 30 ans, recul du PIB qui s'est accompagné par une augmentation du taux de pauvreté, chute du cours des matières premières. Face à ce choc d'une ampleur inédite, les entreprises ont-elles aussi soufflé, on vient de le voir avec les résultats du CIAN, mais dans des pays dont les marges de manœuvre sont souvent budgétairement très contraintes. Alors du coup, la relance passera par les entreprises. C'est le thème de cette table ronde. Des entreprises africaines, des entreprises aussi étrangères présentes en Afrique. Comment les gouvernements peuvent-ils accompagner ces mêmes entreprises et créer des conditions propices à une reprise de l'activité? C'est ce que nous allons voir avec nos quatre intervenants qui sont en direct à distance. Bonjour. Je vous présente Sandra Blamba-Johnson. Vous êtes ministre secrétaire générale de la présidence du Togo en direct de Lomé. Vous êtes par ailleurs président du comité de pilotage de la cellule climat des affaires. Nous accueillons également Hugues Mbaniga-Madilla, qui est ministre du commerce, des PME et de l'industrie de la République du Gabon. Bonjour. Nous entendez-vous ? Bonjour Olivier. Alors nous avons aussi d'autres invités. Nous avons notamment Elisabeth Medou-Badang, qui est directrice de Zone et porte-parole d'Orange Afrique et Moyen-Orient. Vous connaissez tous ce groupe de télécommunications. Elisabeth Medou-Badang, vous aviez notamment dirigé Orange Cameroun pendant plusieurs années. Et nous avons enfin avec nous Richard Biel, le président du directoire du groupe CFAO. Alors CFAO, c'est un groupe, rappelons-le, qui a été créé en 1852, qui réalise aujourd'hui plus de 5 milliards et demi d'euros de chiffre d'affaires dans 38 pays, notamment en Afrique. Voilà. Alors avant de parler de relance, peut-être pouvons-nous faire un état des lieux sur l'impact, les conséquences de la crise pour vous quatre. D'abord, Madame Sandra Blamba-Johnson, quel a été l'impact de la Covid en quelques mots, quelques chiffres sur le Togo, d'un point de vue sanitaire et économique? Merci beaucoup, Olivier. Permettez-moi tout d'abord de féliciter les organisateurs de cet important événement et par la même occasion s'incliner devant la mémoire de nos chers disparus. Et enfin, féliciter et exprimer mes vifs remerciements au personnel de santé, ceux-là qui, dès les premières heures, ont accompagné le gouvernement dans la réponse à la crise. Olivier, vous le savez très bien que la crise sanitaire a été inédite, tant dans son ampleur que dans sa soudaineté. Au niveau du Togo, nous avons su gérer efficacement cette crise en mettant déjà, d'ailleurs, dès les premières heures, un comité de crise présidé par le chef de l'État lui-même, qui a travaillé en toute complicité avec les acteurs du secteur de la santé. Sur le plan économique, la crise, naturellement, a permis de réaliser que les réformes mises en œuvre ces dernières années ont renforcé la résilience. Par exemple, le 5,3% de taux de croissance estimé en 2019, bien que n'étant pas naturellement atteint, a permis quand même à révéler que ce taux de croissance est resté positif. Une fois encore, c'est la preuve des réformes audacieuses qui ont été menées dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires. Et nous projetons d'ailleurs déjà pour 2021 pour ce qui est du taux de croissance qui pour nous s'établirait, si tout marche bien sûr, autour de 4,7%.
Bref, c'est de dire que nous avons su gérer cette crise et nous nous projetons déjà même à le dépasser. Merci. Je vais poser la même question peu ou prou au ministre Hugues Mbadinga-Madia. Vous êtes en charge des petites et moyennes entreprises gabonaises, notamment parmi vos fonctions. Qu'est-ce que cette crise a fait perdre aux entreprises et plus généralement au Gabon? Quelles ont été les répercussions sur l'économie gabonaise de cette crise du Covid? Merci Olivier. Je voudrais d'abord vous remercier pour l'opportunité que vous nous donnez justement de communiquer, d'échanger avec les investisseurs français et les collègues sur ce plateau. L'impact effectivement de la crise sanitaire sur l'économie gabonaise a été rude. Mais ce que je peux dire, comme l'a relevé d'ailleurs tout à fait justement ma collègue du Togo, c'est que l'économie, malgré la rudesse justement de l'impact de cette crise, qui a eu un double effet sur à la fois l'offre et la demande, ce qu'on peut relever, c'est que l'économie gabonaise a été relativement résiliente. En 2020, la baisse du PIB a été de moins 1,8% sur l'économie gabonaise. Les ressorts justement de cette résilience, au fond, sont dus justement aux efforts de diversification qui ont été faits pendant longtemps, dans un premier temps. De l'autre côté, à une reprise un peu plus rapide de certaines demandes, notamment au niveau asiatique, etc. Donc, il y a des secteurs qui se sont très bien comportés. Un secteur comme celui des mines s'est très bien comporté. Nous avons également des secteurs traditionnels comme les télécoms, les transports maritimes, l'agriculture de rente, qui sont les produits de la diversification de l'économie gabonaise qui s'est faite depuis un certain temps. Malheureusement, beaucoup de secteurs comme le tourisme, comme le commerce général, peut se résumer en disant que l'impact a été moins violent que d'habitude. L'économie gabonaise s'est montrée résiliente et aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place justement un plan de relance qui fait que nous espérons, nous projetons pour l'année actuelle 2021 un taux de croissance qui se situe autour de 1,7% du PIB. Elisabeth Medoubadang, votre activité d'Orange en Afrique, j'imagine qu'elle a connu une certaine augmentation du fait des télécoms. Les gens étaient confinés, il y a eu de très sévères lockdowns sur le territoire africain. Quelles sont les tendances que vous avez observées d'un point de vue du marché du digital, de la data? Alors, d'abord, permettez-moi de préciser un petit peu le contour de nos opérations en Afrique. Nous sommes présents dans 18 pays aujourd'hui en Afrique et au Moyen-Orient. Nous avons 18 000 hommes et femmes qui sont au service de nos près de 130 millions de clients au quotidien. Cette crise a démontré, si besoin était, le caractère crucial de nos activités. Au-delà de nos activités, il s'est avéré que le digital était un des moyens essentiel pour assurer la continuité d'un certain nombre d'activités, qu'elles soient professionnelles ou qu'elles soient personnelles ou tout simplement garder le lien social. Donc, du coup, nous avons été très, très sollicités. Nous avons observé de très fortes augmentations de trafic, notamment au niveau de la data, allant parfois jusqu'à 50% du jour au lendemain. Donc, on a observé une évolution des usages de nos clients par rapport à ça. Nous avons observé une augmentation de la dématérialisation d'un certain nombre de transactions, y compris l'achat de crédits par nos distributeurs. Donc, cette crise a apporté une accélération de la digitalisation. Évidemment, nous nous sommes organisés pour accompagner cette dynamique. Nous avons facilité l'usage de nos services. Heureusement, nous avions une politique d'investissement qui a permis de digérer ces augmentations brusques de trafic que nous avons pu observer dans nos réseaux, ce qui a permis la résilience non seulement de nos réseaux, mais également de l'activité de nos clients.
Alors nous allons terminer ce premier tour de table avec Richard Biel. On l'a vu, l'impact sur la crise est différent en fonction des secteurs. Votre entreprise est particulièrement intéressante parce qu'elle est très diversifiée. Alors comment vos différents secteurs ont-ils surmonté, traversé cette année 2020 ? Avez-vous vous-même gelé vos investissements ou au contraire profité de cette situation pour renforcer vos investissements, notamment sur le continent africain ? Richard Biel. Alors, nous ne vous entendons pas très bien. Richard Biel, nous avons un petit souci de communication. Il est en mute. Vous êtes en mute. Peut-être si êtes-vous effectivement avec micro fermé, Richard Biel. Ok, vous m'entendez là ? Là, nous vous entendons, c'est fort parfait. Fort et clair. Bon, très bien. Bonjour à tous, merci de m'inviter. Oui, effectivement, pour nous, comme pour tout le monde, c'est une année très particulière. On est habitué aux crises en Afrique, puisque, comme vous le disiez tout à l'heure, on est en Afrique depuis un grand nombre d'années, 170 ans, et on est habitué depuis longtemps à faire face à des crises de toutes sortes dans différents pays. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a historiquement un business model où on est présent dans beaucoup de pays et avec plusieurs activités. L'idée, c'est de mutualiser et finalement de faire en sorte que chaque année on puisse compenser les mauvaises nouvelles avec les bonnes nouvelles. Bon, là, la particularité, comme en 2008, c'est que c'est une crise systémique. Donc on a été très inquiets au mois de mars dernier, au mois d'avril, au mois de mai. On a un début d'année pour nous qu'on ouvre en avril, en fait, très, très, très difficile. Mais globalement, on peut dire qu'on a 50% de nos activités qui sont des activités qui correspondent à des besoins essentiels, qui sont la pharmacie. On livre 6000 pharmacies tous les jours en Afrique et les hôpitaux. Et donc là, c'est une activité, je dirais, qui répond à des besoins basiques très importants, encore plus pendant les périodes de pandémie. Et puis d'alimentaires qui ont également très bien résisté, Carrefour, les brasseries. Brasseries un peu moins parce qu'il y a eu des fermetures de bars. Donc ces activités ont été très résilientes, avec des activités comparables, je dirais, à la fois l'année dernière et puis aux objectifs qu'on avait fixés pour l'année. Et on a 50% de nos activités qui sont par contre plutôt des biens d'équipement, l'automobile, où là, on a fait face très rapidement à un arrêt complet quasiment pendant le premier trimestre, mars, avril, mai. Et puis ensuite, un rebond assez vigoureux, assez inattendu. Et sur l'ensemble de l'année, on va, je dirais, avoir peut-être moins 20% par rapport à une activité normale. Donc au global, je dirais sur le groupe, grâce à cette diversité d'activités, on est en termes d'activité de l'ordre de moins 10%. Et si on prend en compte les développements, ce que vous disiez tout à l'heure, est-ce qu'on a continué à faire des investissements ? On a continué à faire des investissements. On a ouvert des nouveaux magasins Carrefour, par exemple. On a fait des investissements en Afrique du Sud. On s'est implanté au Mozambique. Donc, si on prend le chiffre réel, on sera de l'ordre de plus 4% par rapport à l'année dernière, ce qui illustre bien, je dirais, la dynamique, c'est-à-dire en purement comparable, moins 10, mais avec des développements nouveaux, à plus 4, plus 5. Merci à tous pour cet état des lieux. État des lieux, ensuite réponse, riposte. Au Togo, Madame la Ministre, quelles sont les décisions que vous avez prises ? Quelles sont les mesures que vous avez prises pour faire face à cette crise économique que vous avez abordée tout à l'heure ? Merci, Olivier. Je peux tout simplement dire que la période caractérise l'expérience togolaise. L'expérience d'un pays agile, innovant et entrepreneur. Face à la crise, il fallait être agile. Oui, agile, mais la vérité. En mettant en place, outre le comité de crise, trois comités stratégiques, plus particulièrement le comité commerce et industrie, dont même personnellement j'ai présidé les travaux avec le ministre du Commerce, et qui comprend essentiellement les faits tiers du secteur privé et quelques figures phares des entreprises aussi bien togolaises, étrangères, dont les entreprises françaises, à qui je voudrais, au nom du gouvernement, exprimer mes sincères gratitudes pour la promptitude, la disponibilité et le soutien dont elles ont fait preuve pendant ces moments difficiles. Oui, agile, nous l'avons été avec la mise en place ou l'annonce d'un fonds de solidarité nationale faite par le chef de l'État déjà au mois d'avril, un fonds de 400 milliards de francs CFA, soit pratiquement 10% de notre PIB, ce qui n'est pas rien. Vous convenez aussi également avec moi qu'un pays comme le Togo, ambitieux, doit pouvoir réagir en face des difficultés, de pouvoir transformer les défis en opportunités afin de pouvoir réaliser naturellement sa vision stratégique telle qu'elle s'inscrit dans la feuille de route. Et pour ce faire,
Nous avons très tôt, dès les premières heures, pratiquement une semaine après l'annonce de la crise sanitaire, mis en place une plateforme numérique. Tout à l'heure, ma collègue parlait de l'impact du numérique sur la crise. Naturellement, c'est pas numérique qui ne demande pas de conditions extraordinaires, notamment par exemple l'ouverture d'un compte d'un citoyen, a permis aux populations qui sont victimes ou qui ont été victimes de cette crise de bénéficier d'un soutien financier de la part de l'État. Pouvez-vous nous préciser à quoi sert l'argent qui a été débloqué pour doter ce Fonds national de sécurité et de la relance ? Concrètement, à quoi sert-il ? J'ai cru comprendre que les créations d'entreprises en 2020 étaient plutôt bonnes malgré cette crise. Voilà. Pouvez-vous nous expliquer concrètement en quoi cela aide le secteur privé ? Les 400 milliards de fonds qui ont été mobilisés étaient destinés à deux secteurs clés. D'une part, le secteur social, dont tout à l'heure j'en parlais, qui était censé bénéficier naturellement des mesures sociales telles, par exemple, la gratuité des frais d'électricité et d'eau pour, bien sûr, les populations qui se retrouvent naturellement dans la tranche sociale. Et également, j'ai parlé tout à l'heure de soutien financier aux populations vulnérables. Et l'autre partie des ressources était destinée au soutien aux entreprises, notamment pour ce qui est des mesures fiscales, pour ce qui est des reports, par exemple, d'échéances, pour ce qui est également de la réduction, par exemple, des impôts. Vous savez très bien, comme l'a dit mes prédécesseurs, que le secteur le plus touché dans le cadre de cette crise est le tourisme et un peu plus loin, peut-être, la restauration. Et donc, contrairement aux dispositions réglementaires inscrites dans le code des impôts, ces entreprises étaient seulement appelées à payer pratiquement seulement 10% contre plus de 20%, même 25% dans le cadre des dispositions réglementaires. Merci beaucoup, Sandra Ablamba-Johnson. Je me tourne vers Hugues Mbadinga-Madia. Monsieur le ministre, on l'a vu, le Togo a soutenu à travers des plans ses entreprises. Est-ce que le Gabon a fait la même chose ? Et je voudrais que vous nous parliez un tout petit peu de ce plan de diversification économique du Gabon qui est très important depuis maintenant une dizaine d'années. Est-ce que vous l'avez accéléré profitant de cette crise de 2020 ? Merci. Effectivement, pour comprendre l'économie gabonaise, c'est important de se rendre compte que pendant longtemps, l'économie gabonaise a basé son modèle de production vers une logique de mono, sinon biproduits, le pétrole et les mines. Le chef d'État des années 2010 a mis en place un programme important de diversification économique qui a permis effectivement de permettre plus de transformation des matières premières. Donc, on l'a vu, des résultats très intéressants dans le domaine du bois, par exemple, où nous avons mis en place des parcs industriels, comme celui de Coq, qui est bien connu de par le monde, qui a pu être capable d'attirer des investissements cumulés aujourd'hui à près de 600 milliards de francs CFA. C'est un parc industriel qui a permis de créer plus de 6 000 emplois directs et indirects. Aujourd'hui, nous avons 94 entreprises qui sont installées dans divers domaines. En plus de ça, là, il y a eu beaucoup de diversification, notamment dans le domaine agricole, également le domaine minier. On a commencé à partir du manganèse à faire de la production de manganèse métal. Donc, oui, les résultats de la diversification gabonaise sont là. Maintenant, il y a eu ces contre-coups. D'abord, ce premier choc pétrolier en 2014 et ensuite, aujourd'hui, le contre-coup conjoncturel du COVID-19 qui a retardé un tout petit peu l'avancée. Au niveau du Gabon, lorsque la crise est survenue, effectivement, le chef de l'État a instruit vraiment de mettre en place un comité de veille économique qui a mis en place des mesures parce que nous étions conscients qu'il ne fallait absolument pas que les affaires s'arrêtent. Nous avons mis en place des mesures de soutien économique, d'ailleurs en lien avec les autorités monétaires internationales, la Banque centrale, qui a fait une injection de liquidité dans le système bancaire, qui a permis effectivement de soutenir de nombreux secteurs. En plus de cela, le gouvernement a mis en place
des aides diverses, des aides fiscales, des aides notamment au niveau justement des aides sociales, c'est-à-dire au niveau, on a mis en place des kits alimentaires, nous avons mis en place également des mesures de gratuité d'électricité et autres, et de l'accompagnement justement vis-à-vis des secteurs qui ont été touchés. Parce que malheureusement, le gouvernement a dû prendre des mesures qui ont fait que de nombreux secteurs se sont retrouvés fermés. Je vous ai donné les résultats donc, de ces différentes, ces différentes actions. Il y a des secteurs effectivement qui ont pu repartir grâce à ces précautions prises par le gouvernement, mais malheureusement, nous restons encore aujourd'hui avec un secteur comme celui de la restauration, du tourisme, qui reste encore une fois morose. Et nous sommes actuellement en train de préparer une seconde phase du programme d'assistance économique vis-à-vis des entreprises, parce qu'il ne faut pas que la contrainte économique vienne prendre le pas ou alors... Merci, Monsieur le ministre. On ne vous entend plus, donc on reviendra vers vous dans quelques instants. Elisabeth Médou-Badan, vous avez fait état tout à l'heure de l'augmentation du digital, de la consommation de data dans tous les pays où vous êtes présent. Est-ce que, du coup, quelle est votre stratégie au regard de cette tendance observée? Quels sont les investissements que vous avez prévus? Et surtout, qu'attendez-vous des États dans lesquels vous êtes présent? J'imagine que, là, quand vous avez fait état de l'augmentation de la consommation de téléphonie, mobile notamment, ça a une incidence sur les infrastructures de téléphonie. Et du coup, voilà, qu'attendez-vous des États dans lesquels vous êtes présent? M'entendez-vous? Voilà. Je réactive mon micro. Effectivement, cette situation nous a confortés dans la stratégie que nous avions définie. À savoir accélérer l'inclusion numérique des pays, parce que nous considérons véritablement que c'est un levier essentiel de développement, parce qu'il permet d'accéder de manière efficace à un certain nombre de services. On a vu, par exemple, avec l'éducation, on a vu les déficits se creuser entre les écoles privées, parfois, dans lesquelles étudient les élèves de parents plus fortunés qui ont pu continuer de se former, tandis que d'autres, comme ça a été mentionné tout à l'heure, ont été complètement privés d'éducation pendant un certain temps. On a vu le développement de certains services comme l'utilisation d'applications pour la santé. Donc tout ça nous amène à accélérer au niveau de l'inclusion digitale. Aujourd'hui, on a encore à peu près 500 millions de personnes en Afrique qui, souvent, même dans des zones couvertes, n'ont pas accès à Internet. Donc, cette inclusion dans la démarche, je dirais, cette démarche inclusive dans la digitalisation du continent, dans la transformation digitale du continent, nous semble essentielle. Aujourd'hui, il y a de gros enjeux de couverture, notamment dans les zones rurales, à cause des coûts d'opérations dans ces zones-là, des déficits d'infrastructures de base comme l'énergie, comme les accès routiers. Il y a une démarche, ce que nous demandons aux États, déjà, c'est une démarche de partenariat avec toutes les parties prenantes. Évidemment, nous, en tant qu'opérateurs, nous allons jouer notre rôle. Nous continuons nos initiatives d'investissement, et j'y reviendrai tantôt. Mais tout seul, on n'y arrive pas, parce que le modèle économique de la couverture de ce dernier milliard de personnes n'est pas tout à fait le même que celui que nous avons observé aujourd'hui. Donc, ce que nous attendons des États, c'est de faciliter ces partenariats entre les différentes parties prenantes. Qu'entendez-vous exactement par partenariat? Qu'est-ce que ça implique? Écoutez, ça peut être, par exemple, en termes de couverture dans les zones reculées, ça peut être des incitations spécifiques. Si je prends le cas de la France avec les zones blanches il y a quelques années, je peux prendre le cas, par exemple, du Botswana. Je prends le cas du Botswana où le régulateur a donné des fréquences en contrepartie d'obligations de couverture, par exemple. Je prends le cas d'autres pays où
les opérateurs se mettent ensemble. Je pense au roaming national que les États facilitent, au partage d'infrastructures. Je pense à un certain nombre d'initiatives pour la couverture de ces zones-là qui ne reposent pas que sur les opérateurs, mais qui sont conjointes entre les opérateurs, les bailleurs de fonds, hein, les partenaires au développement et les institutions étatiques. Donc c'est un des aspects que nous attendons. L'autre aspect qui est important, c'est de la prévisibilité. Nous opérons dans un cadre qui est réglementé. Nous avons besoin de pouvoir nous projeter à moyen et à long terme. Donc, on a besoin de stabilité dans la définition des règles du jeu dans ce secteur-là. Nous avons besoin d'ouverture. Nous avons besoin que les monopoles, c'est vrai qu'il y a eu de grosses, grosses évolutions ces dernières années, mais nous avons besoin que les monopoles soient cassés parce qu'il s'avère que c'est moins efficace, notamment pour développer un certain nombre d'infrastructures. Nous avons besoin de flexibilité parce que nous sommes dans un secteur en forte innovation. On ne peut pas savoir aujourd'hui quelles seront les implications de telle ou telle innovation qui est créée maintenant. Je prends les innovations qui sont faites autour de la santé. Il faut qu'on puisse les laisser émerger, même si on n'a pas les réponses à toutes les questions. Qu'on ait l'humilité d'apprendre en marchant, je dirais. Nous avons besoin également que les États soient ambitieux, que ce soit en termes de construction des infrastructures, et qu'ils aient une vision à moyen et long terme. Nous avons conscience des enjeux budgétaires court terme, hein, et nous savons que les budgets de l'État ont été très impactés par les situations telles que ça a été précisé par les deux ministres qui participent à ce panel. Mais en même temps, les transformations qui sont attendues sont structurantes et nécessite de prendre des paris sur le long terme, y compris dans la gestion des enjeux budgétaires. Donc, une taxation qui soit cohérente avec cette ambition moyen-long terme des États. Voilà en quelques mots ce que nous attendons. Mais nous, en tant qu'opérateurs, nous faisons notre part. Nous, en Orange, nous continuons notre dynamique d'investissement. Nous investissons l'équivalent d'un milliard d'euros tous les ans et nous allons continuer. Y compris pendant la crise, nous n'avons pas arrêté nos projets. Nous avons des projets importants comme par exemple le backbone régional qui relie 8 pays en Afrique de l'Ouest, qu'on appelle Joliba, qui a été mis en service pendant cette période. Nous avons notre banque africaine, Orange Bank Africa, qui a été lancée pendant cette période. Donc, nous restons optimistes. Merci Elisabeth Medouba. Donc, je vais poser la même question à Richard Biel, s'il m'entend. On l'a vu avec Elisabeth Medouba, l'investissement, le partenariat, la prévisibilité des investissements sont des choses importantes. Pour une entreprise comme CFAO, qu'est-ce que vous attendez concrètement justement des pays dans lesquels vous travaillez aujourd'hui? Est-ce que c'est la sécurisation de vos investissements encore plus que d'habitude? Est-ce que c'est un cadre légal qui vous permet de travailler sereinement? Est-ce que c'est aussi des outils de protection des contre les effets de change dans certains pays? Dites-nous quelles sont les priorités pour un groupe comme CFAO dans la relation partenariale avec les dirigeants. Oui, il y a beaucoup de choses et c'est toujours compliqué de répondre pour 54 pays, hein, parce qu'il y a des situations qui sont très différentes naturellement selon qu'on parle de l'Afrique subsaharienne, de l'Ouest, de l'Est, de l'Afrique du Sud ou de l'Afrique du Nord. Globalement, il y a toutes les fonctions régaliennes de l'État qu'on attend, la sécurité. Bon, c'est vrai que récemment, par exemple, à Dakar, on a eu des installations détruites, donc c'est sûr que ça, c'est la base. La stabilité du cadre réglementaire pour les investissements, on investit en priorité là où on a une visibilité, une stabilité de l'environnement. Au-delà de ça, je dirais de manière moins générale, ce qui nous intéresse, c'est de voir comment aujourd'hui, là, pour réellement relancer, on est à un niveau d'activité qui n'est pas si mauvais. Je vous disais tout à l'heure, on a un moins 10 par rapport à un niveau normatif, on va dire. Mais pour aller au-delà, on voit très bien qu'il y a aujourd'hui un problème de pouvoir d'achat qui n'est pas suffisamment bien distribué dans Afrique. Il y a des grands projets qui sont initiés par les États, qui avancent, mais qui irriguent pas suffisamment dans la population et au niveau des pouvoirs d'achat. Donc, il y a forcément une limite qui est très perceptible aujourd'hui. Il y a une baisse du pouvoir d'achat des Africains en général et on le voit de manière macroéconomique, hein. La population continue d'augmenter à 2-3% par an. Quand le PIB maintenant est négatif, mais en tout cas, même dans les dernières années, était inférieur à ce rythme-là. Donc, c'est véritablement comment les États africains peuvent relancer, distribuer les richesses un peu différemment.
Ça passe par la dette. Alors, le paradoxe, c'est que quand on regarde la dette africaine, on dit qu'elle a beaucoup augmenté, c'est vrai. Il y a 10 ans, elle était à 30% du PIB. Aujourd'hui, elle est à 60%. Si on compare avec la France, on est à 120%. Donc, la grosse différence, je pense, c'est que la dette en Afrique coûte cher, alors qu'elle est quasiment gratuite en Europe et au Japon, aux États-Unis. Donc, je reviendrai peut-être sur le point qu'Alexandre Villerin tout à l'heure a soulevé, c'est comment faire en sorte que des financements additionnels soient mis en place en Afrique, mais à des coûts qui soient comparables à ceux qu'on peut voir dans les autres zones et qui peuvent, grâce à ça, avoir des plans de relance massifs et donc soutenir l'économie, distribuer du pouvoir d'achat. Je pense que pour nous, la prochaine étape, c'est véritablement comprendre comment ces plans de relance peuvent être mis en place dans des proportions comparables aux autres pays du monde. Prenons un cas concret. Les uns et les autres, vous avez beaucoup parlé de digitalisation. On en a parlé aussi précédemment. Au Togo, Madame Blamba Johnson, comment peut-on démocratiser et faciliter la digitalisation en rendant accessible au plus grand nombre l'outil digital et donc l'accès à Internet? Merci beaucoup, Olivier. Le Togo, dans le cadre de la mise en œuvre de sa feuille de route, s'est déjà engagé à faire de son pays un hub d'innovation digitale. Et pour ce faire, plusieurs réformes importantes ont été mises en œuvre, bien sûr sur le plan réglementaire et juridique, également pour ce qui est de la mise en œuvre de tout ce qui concerne la cybersécurité. Pour nous, dans le cadre de la mise en œuvre de cette feuille de route, il s'agira désormais de digitaliser tous les services publics, la création d'un registre social unique, l'identification biométrique et l'investissement important dans les infrastructures numériques. Quelles sont nos ambitions qui devront nous permettre d'atteindre pratiquement 95% de la population d'ici 2025. Alors, continuons dans les exemples concrets. Monsieur le ministre Hugues Mbadinga Madia, justement, parlons de ce que le Gabon entreprend pour inciter les entreprises à s'y installer et à y investir. Vous aviez notamment un énorme problème au Gabon, c'était la dette intérieure. Je sais qu'un audit a été effectué de cette dette intérieure. Reste 400 milliards de francs CFA à payer aux entreprises. Est-ce que finalement, inciter les entreprises à travailler, à investir, ce n'est pas d'abord régler ces questions de dette intérieure qui sont prioritaires pour les chefs d'entreprise? Est-ce que vous nous entendez? Absolument, effectivement. Effectivement, le gouvernement a initié un audit sur la dette intérieure. Les résultats de cet audit aujourd'hui sont connus. Donc, la dette a été validée à 400 milliards de francs CFA. Et le gouvernement va s'atteler à mettre en place un plan d'apurement de cette dette. Vous avez raison, c'est un élément essentiel de payer la dette, puisque en payant la dette, nous participons à l'économie par la demande. Mais il faut payer la bonne dette. Je voudrais également dire que, relever ce que a dit Mme Medou Badam, en disant que c'est important dans le cadre de la relance que l'État et le secteur privé développent un dialogue qui est permanent. Au niveau du Gabon, nous avons mis en place un haut conseil de l'investissement qui est présidé directement par le président de la République de l'État. Et c'est au sein de ce haut conseil de l'investissement que les questions, les grandes questions liées justement au développement de la compétitivité, à l'amélioration du cadre fiscal, à l'accompagnement sont débattues. Je suis d'accord, effectivement, pour dire que les entreprises ont besoin de souplesse. Nous avons aujourd'hui une charte des investissements qui a un certain temps, mais qui a également des codes sectoriels qui donnent des avantages, notamment dans le secteur du tourisme, de l'agriculture, dans le secteur minier, pétrolier, qui sont nos secteurs traditionnels. Il y a des avantages, il y a également ces lois qui organise les zones économiques spéciales. Et récemment, nous avons mis en place des zones agricoles à forte productivité. En termes de facilitation, il y a un guichet unique qui existe qui permet d'accompagner les investisseurs. Ces outils sont importants. Mais de l'autre côté, au niveau des entreprises, c'est important aussi de continuer à être alerte. Il faut continuer à être alerte, saisir les opportunités, mais surtout, la confiance doit pouvoir demeurer. Bien entendu, il faut être deux pour que cette confiance existe. C'est à cause de ça que j'insiste pour dire que le dialogue permanent entre
le gouvernement, les gouvernements et le secteur privé est essentiel dans un contexte comme celui-ci, où d'ailleurs même on a du mal à se projeter au-delà de 1 an, 2 ans. Richard Biel, j'avais envie de vous poser une question sur le pouvoir d'achat des consommateurs, puisque ces consommateurs sont aussi vos clients en Afrique. Est-ce que la création de chaînes de valeur locales, c'est-à-dire la transformation de produits, on a vu que le Gabon, le Togo faisaient des efforts pour transformer davantage leurs matières premières agricoles ou leurs matières premières minérales, est-ce que cette création de chaînes de valeur, le consommer local, le fabriquer local sont des priorités pour ces FAO ? C'est des priorités pour les pays, d'abord parce que ça remplace des importations par des productions locales, donc ça crée des emplois. C'est évident que je dirais, c'est un enjeu massif et majeur pour le développement des pays. Nous, toutes les fois, on peut le faire, c'est remplacer des importations par des productions locales, on le fait. Ce n'est pas toujours simple. Hein. Il y a des secteurs où on peut, dans l'agroalimentaire, c'est plus simple que dans l'automobile, par exemple. Mais pour nous, c'est un mouvement de fond, c'est-à-dire que cette intégration, si je prends l'exemple de la santé, on produit désormais au Maroc, en Algérie, par exemple, pour une 25 ou 26 laboratoires différents, sous licence, là où auparavant on importait. Donc il y a vraiment un mouvement de fond qui est important, qui doit continuer. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que c'est des projets qui sont plus capitalistiques, naturellement, qui demandent plus de fonds, et la question du financement revient, c'est-à-dire que le même projet en Afrique par rapport à l'Europe, c'est une fois et demie supérieur en coût, avec un marché qui est généralement plus étroit et une volatilité qui est plus grande. Donc le challenge est assez compliqué, mais c'est la direction, il faut y aller, il faut le faire, il faut continuer à le faire. Bon, il n'y aura pas de développement durable en Afrique si cette industrialisation ne s'opère pas. Le 1er janvier dernier, il y a la SLECA qui est entrée en vigueur dans un contexte très particulier. C'est une entrée en vigueur sur le papier. Chaque pays progresse à des vitesses qui sont différentes. Madame Medou Badang, vous avez fait part de votre volonté, de la volonté d'Orange d'investir. Voilà. Qu'est-ce que ça implique sur votre organisation? Voilà. Qu'attendez-vous de tout ça pour passer au coup d'après, finalement, dire que là, cette entrée en vigueur, mais maintenant, pour que ça prenne une véritable traduction, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire et qu'est-ce que vous attendez de vos partenaires publics? Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire? Comme je le mentionnais tout à l'heure, nous opérons dans 18 pays, avec souvent des réglementations qui sont très différentes. Une des choses que nous attendons de cette intégration régionale, c'est une harmonisation des réglementations. Ça permet notamment d'accélérer les synergies entre les différents pays, d'accélérer la mise en œuvre d'un certain nombre d'innovations. Je vous ai parlé tout à l'heure d'Orange Bank Africa. Si nous voulions ouvrir une succursale dans une autre région de l'Afrique que l'Afrique de l'Ouest, que l'UMOA, par exemple, il faudrait recommencer tout le processus d'agrément, ainsi de suite, de zéro. Alors que, par exemple, on va pouvoir le faire assez rapidement dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, comme le Sénégal ou le Burkina Faso. Donc, c'est un des éléments importants que nous attendons. Nous pensons également que cette intégration régionale, ce projet, va accélérer encore plus la digitalisation et la dématérialisation d'un certain nombre de transactions, que ce soit les transactions douanières, que ce soit les échanges entre les différents gouvernements et les différents systèmes d'information. Donc, nous sommes prêts, hein, nous avons l'ambition d'être un partenaire de cette transformation digitale. Nous-mêmes, chaque fois que nous pouvons, nous mettons en œuvre des projets qui se veulent régionaux, que ce soit tout seul, que ce soit en partenariat. Nous pensons que cette intégration régionale est un levier d'accélération de développement et de création d'emplois. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Oui, c'est une course contre la montre. On avait d'autres questions, évidemment. Certaines des personnes qui nous suivent sur YouTube ont fortement réagi. Nous remercions nos quatre intervenants qui ont réussi cette prouesse de débattre à distance. Chacun d'entre eux à plusieurs milliers de kilomètres les uns des autres.
c'est finalement notre quotidien depuis 12 mois maintenant. Nous allons céder la parole à Étienne Giros, président du CIAN, et Mohamed El-Khalchi, qui est directeur des études de l'Institut IMAR, spécialiste des études médias et marketing en Afrique subsaharienne et en Afrique du Nord, qui vont nous présenter le deuxième baromètre présenté donc à l'occasion de cette webconférence. Merci à vous quatre pour votre disponibilité et bonne journée à tous. Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous retrouver pour vous présenter le baromètre du CIAN réalisé par IMAR sur les leaders d'opinion en Afrique. C'est la troisième édition que nous allons vous présenter. Je vais faire un duo avec Mohamed El-Khalchi, qui est le directeur des études de IMAR. Alors, nous allons vous présenter quelques slides. D'abord, une présentation du baromètre au plan technique et géographique. Mohamed. Alors, bonjour à tous. Alors, deux mots rapides sur l'étude en elle-même. Le premier concerne donc la cible interrogée. Cette année, nous avons interrogé 2426 personnalités africaines à travers un certain nombre de pays, donc soit environ 200 personnes par pays. Le deuxième point concerne donc la couverture géographique. Cette année, comme l'année dernière, nous avons couvert 5 pays francophones, 4 pays arabisants et ainsi que 3 pays anglophones. Il a noté que cette année a été un peu compliquée à cause du contexte sanitaire qui a rendu très difficile l'atteinte de ces personnes-là. Voilà, 60% de la population, notre échantillon couvre 60% de la population africaine. Donc je crois qu'on peut tirer quand même quelques leçons tout à fait valides de cette étude. Alors on va passer au slide suivant si les slides veulent bien passer. Voilà. Pour vous dire ici, Mohamed. Alors, cette première diapositive nous présente comment les leaders africains s'informent au quotidien, à l'heure actuelle. Comme l'année dernière, donc, la principale source d'information reste la télévision. Et de manière diagonale, on note une prépondérance des médias français. La deuxième remarque que je pourrais ajouter, ce serait par rapport à la part croissante des réseaux sociaux comme source principale d'information, puisqu'on a une hausse de 12 points par rapport à l'année dernière, qui atteint maintenant un chiffre qui est quand même significatif de 35%. Ce qui est intéressant à noter, gardez ce résultat-là en mémoire pour la suite de l'étude qu'on va vous présenter. Et ce qui est important à noter, c'est que la majeure partie des leaders d'opinion africains s'informent sur des médias français. Et ça ne sera pas neutre dans la suite de l'étude. Maintenant, nous arrivons sur l'image de l'Afrique qu'ont les leaders d'opinion, Mohamed. C'est bien ça, Étienne. Donc ici, on décrypte la perception des leaders africains sur la situation présente et future de l'Afrique. Ce qu'on peut noter ici, c'est que les leaders africains restent plutôt positifs sur leur situation, même s'il est à noter que ces indicateurs sont en baisse depuis l'année dernière. Je crois qu'ici, on peut qualifier la vision que les leaders africains ont de leur continent d'à la fois d'optimistes et réalistes. Optimistes parce qu'ils sont toujours confiants dans l'avenir et réalistes parce qu'ils se rendent compte qu'il y a d'abord encore beaucoup de travail à faire et surtout que ça va prendre encore du temps. Maintenant, nous allons passer à l'impact de la crise et de la vision qu'ils ont de la crise sanitaire. Mohamed. Alors, ici, on rebondit sur les questions qui tournent autour de l'impact de la Covid. Là, ce qu'on pourrait remarquer, c'est que les influenceurs africains reste optimiste sur la résolution de la crise sanitaire à l'heure actuelle. Idem sur le plan économique, même si on note que c'est un petit peu plus modéré. Alors maintenant, nous arrivons à la partie qui intéresse beaucoup d'entre vous, qui est l'image que les pays et les partenaires des leaders d'opinion africains ont de ces partenaires. Alors, nous allons d'abord parler des pays africains. Alors, tout à fait. Là, on présente le classement des pays africains en termes d'image.
Là, ce qu'on peut noter, c'est que l'Afrique du Sud est le pays qui est de loin, qui dispose de loin la meilleure image sur le continent, et qui est suivi par un groupe de pays qui ont plutôt une présence régionale. Donc on peut citer par exemple le Maroc et l'Égypte pour l'Afrique du Nord, le Ghana sur l'Afrique de l'Ouest et également le Rwanda en Afrique centrale. Ce qui est frappant sur cette slide, c'est que l'Afrique du Sud est très largement en tête, alors que tout le monde sait que ce pays rencontre un certain nombre de difficultés de nature économique, sanitaire et même politique, et que malgré cela, son soft power, son histoire et sa puissance continuent à dominer et à le faire être en tête du classement. Alors maintenant, nous allons passer aux pays non africains, et la première slide est relative à l'image des pays non africains. Alors tout à fait. Là, ce qu'on peut noter, qui est représenté de manière significative, c'est que les États-Unis restent le pays étranger à l'Afrique qui dispose de la meilleure image. On note l'Allemagne qui est seconde et qui devance les autres pays anglo-saxons. Autre point intéressant, c'est la position de la Chine qui est cinquième, mais qui chute depuis 2019 en termes d'image sur notre baromètre. Alors, ce qu'on peut dire sur cette slide qui est très intéressante, c'est que si on veut la mettre un peu en perspective, vous remarquez qu'il y a un paquet de quatre pays qui sont des pays occidentaux, les États-Unis, l'Allemagne, le Canada et la Grande-Bretagne, qui sont certes un petit peu séparés, mais quand même qui constituent un lot assez homogène, et que la France, qui en théorie dans d'autres instances fait partie de ce lot-là, ici n'est pas dans ce lot et est très nettement décrochée, puisqu'elle est en gros deux fois moins citée que les quatre pays. Donc ça, c'est le premier enseignement. Et le deuxième enseignement que vous ne voyez pas sur ce tableau, mais que je vous indique par oral, c'est que la Chine a fortement baissé par rapport à l'année passée. Elle a perdu 17 points. Elle est toujours assez bien classée. Mais en termes d'image du pays auprès des leaders d'opinion africains, elle a quand même perdu 17 points. Donc, première leçon, décrochage de la France. Deuxième leçon, baisse aussi légère de la Chine. Alors, on a essayé de s'intéresser particulièrement à un autre indicateur qui est ici l'influence des pays plus en détail. Ce qu'on remarque, c'est que la Chine et les États-Unis restent les partenaires privilégiés de l'Afrique à ce jour. Et par rapport à ça, on note qu'il y a des très bons scores, notamment en Afrique de l'Est, ce qui est notable. Et aussi, autre élément étonnant, c'est la percée de la Turquie qui devient un partenaire sérieux et crédible et qui maintenant talonne les autres pays qui sont en tête de ce classement. Oui, alors Mohamed, ce qu'il faut dire, c'est que cette slide représente l'image de l'impact de ces pays sur les pays des gens concernés ou interrogés. Est-ce que vous pensez que l'influence ou l'impact de ces partenaires a été bénéfique pour votre pays ou pas? Ce qui est totalement différent de l'image. Vous pouvez avoir une image positive et un impact négatif et l'inverse. Et d'ailleurs, c'est l'exemple de la Chine. La Chine est en tête ici, alors que dans le slide précédent sur l'image du pays, elle était en régression. Donc on peut avoir une image assez dégradée pour un pays, et en revanche, l'impact de son action peut être jugé d'une manière positive, ce qui est le cas de la Chine. Alors ensuite, autre enseignement ici, c'est que la France continue son lent décrochage, puisque nous perdons une ou deux places depuis deux ans maintenant, d'une manière assez régulière, malheureusement, alors que notre action en termes d'impact est à 360 degrés, puisque nous avons une action, la France a une action politique, diplomatique, militaire évidemment, et économique, à travers ses entreprises que nous représentons ici. Et donc, on a le sentiment que plus on a un impact fort, plus on intervient, plus on donne le biais ou des angles à la critique. Et comme l'on dit, qui aime bien châtie bien, et compte tenu de la relation intime que nous avons avec beaucoup de pays africains, je pense que ça explique un peu les choses. Et là, vous pouvez faire le lien aussi avec le fait que les Africains s'informent majoritairement auprès des médias français, et donc ils connaissent très bien ce qui se passe chez nous. Donc c'est une slide un petit peu décevante pour l'impact de la France dans le continent africain. Alors, nous avons décidé de vous présenter ici un autre angle de vue, donc là, plutôt sur les marques les plus influentes en Afrique. Sur cette diapositive, nous vous présentons donc le classement des 10 marques les plus influentes. Ce qui est intéressant ici à dire, c'est qu'on note un certain équilibre en termes de nationalité, puisqu'on a 3 voire 4 marques américaines, 2 marques africaines,
de marques européennes, dont Orange, et de marques asiatiques. J'ajoute que vous voyez aussi qu'il y a une domination des marques du digital et des télécommunications, et tout ceci n'aurait pas été, ce tableau n'aurait pas été le même il y a 8-10 ans. D'abord, l'origine géographique des entreprises n'aurait pas été du tout la même, je pense, et deuxièmement, l'origine sectorielle non plus. Donc ce tableau montre parfaitement l'évolution de l'économie. Alors voilà, nous en avons fini sur la présentation qu'on ne voulait pas vous faire trop longue. Vous pourrez la retrouver sur le site du forum et sur d'autres médias. Elle va être reprise très largement. Pour conclure, je crois que du point de vue français et du point de vue des entreprises françaises, nous avons devant nous un défi à traiter qui est notre lente érosion de notre image, nous autres Français, aux yeux des leaders africains et donc de l'opinion africaine. Et je pense que nous devons reconstituer un récit de notre relation avec ce continent. Car, en tout cas du point de vue des entreprises françaises, je crois que ce que nous faisons ne manque pas d'atouts. Et je pense qu'il faut donc davantage l'expliquer et peut-être reconstruire un nouveau récit. Donc c'est le défi qui nous attend et nous allons tous le mener ensemble. Voilà, nous en avons terminé avec cette étude et nous vous invitons à en suivre les détails ultérieurement. À plus tard. Merci bien. Merci Étienne Giros, merci beaucoup pour cette présentation et pour ce défi que vous nous avez lancé. On va tout de suite s'attacher avec Sébastien Bazin à redresser l'image de la France. Sébastien Bazin, bonjour. Vous êtes le PDG d'Accor. Et vous connaissez évidemment très bien cette entreprise pour en avoir été d'ailleurs longtemps avant un actionnaire, si ce n'est l'actionnaire prépondérant. Vous êtes à la tête d'un métier difficile. Oui, il n'y a pas beaucoup de métiers faciles. Les médias, ce n'est pas très simple, mais l'hôtellerie, c'est vraiment compliqué en ce moment. Vous avez été évidemment très largement impacté par la crise. Et donc, on va essayer de voir comment est-ce que vous pouvez réagir. On va bien sûr faire un petit focus, un grand focus même sur l'Afrique, voir quel est votre poids là-bas et comment est-ce que vous pensez que l'après-crise pourra se dérouler. D'abord, votre poids, votre présence en Afrique, elle se mesure comment ? Elle est beaucoup trop faible. Et donc c'est pour ça que je suis venu ici, parce qu'on va remédier à ça. C'est Accor à 5200 hôtels dans le monde et à peine 170 en Afrique, c'est-à-dire moins de 3% du parc. On devrait être à la hauteur de la population africaine, donc on devrait être pas loin de 20% de notre parc, mais on n'est pas là encore. Mais on a décidé de mettre les bouchées triples et on va y arriver. Ça va prendre un peu de temps, probablement 5 ans, 10 ans, 15 ans. Mais on s'en est donné les moyens et humains et en termes de capitaux. Donc je vous expliquerai comment. Mais je suis très, très optimiste sur l'Afrique en général. Et très volontariste sur votre activité là-bas. Vous vous concentrez dans les zones francophones Alors, on a commencé là où c'était le plus facile. Oui. C'est-à-dire qu'on a commencé au Maghreb depuis très longtemps, hein, depuis 1975. Puis on est allé sur l'Afrique de l'Ouest, puisqu'on avait une communauté et beaucoup de choses en commun. Et maintenant, on va, depuis 5 ans, sur l'Afrique centrale, sur l'Afrique du Sud, sur l'Afrique de l'Est. C'est moins facile, mais c'est humainement extrêmement enrichissant. Et c'est juste que les méthodes ne sont pas les mêmes, y compris d'ailleurs en Afrique de l'Ouest. Les méthodes ne sont pas les mêmes entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Le principal moteur de votre développement, c'est quoi ? C'est tourisme, business ? Ah, c'est les deux. C'est, aujourd'hui, il y a un déficit d'infrastructures hôtelières en Chine. Et d'ailleurs, on le voit dans les chiffres. En Afrique, excusez-moi. À peine, m'en voulez pas quand je dis ça, il y a 80 millions de visiteurs internationaux qui viennent en Afrique. C'est à peu près le même chiffre que ceux qui viennent en France. Ouais. Donc, il y a 1,5 milliard de visiteurs internationaux dans le monde. Donc, aujourd'hui, il faut s'attaquer à la fois au milieu urbain, puisque c'est là où il y a un déficit d'implantation hôtelière. On est à peu près à moins d'une chambre pour 1000 habitants en Afrique. Vous êtes à 15 chambres pour 1000 habitants aux États-Unis et à 10 en Europe. Donc c'est un rapport de 1 à 15 ou 1 à 10. Donc il faut donner avec les segments économiques à travers nos marques, Ibis, Novotel et autres, l'accès
dans les grandes villes un équipement qui soit accessible. Et puis il faut en même moment aller découvrir les destinations touristiques, elles sont nombreuses, en dehors des grandes villes. Donc il faut faire les deux à la fois, les deux demandes des capitaux, les deux demandes des partenariats, et les deux. Et notre job à nous, c'est de donner les marques des capitaux et du trafic. Et de trouver des partenaires, je suppose. Mais on va parler de tout ça. Un mot donc sur la crise du Covid, cette année 2020 épouvantable, 2021 qui est compliquée. Ouais, ça va aller mieux. Pour l'instant, demain. C'est cauchemardesque, mais ouais. Voilà, on a encore deux mois à attendre maximum. Ouais. Donc, comment ça s'est passé en Afrique en particulier? Fermeture partout, lockdown? Alors, c'est à peu près la même chose, moins 75% de baisse d'activité, ce qui est exactement le même chiffre pour Accor dans le monde. Donc avec nos hôtels qui étaient fermés à 80%, ils sont réouverts maintenant à plus de 80%. C'est faible comme taux d'occupation. C'est plus important quand on est dans les pays du Maghreb, que plus important en Europe de l'Ouest, en Afrique de l'Ouest, pardon. Mais c'est une question de vaccin. Dès lors que le vaccin sera mis en place, on retrouvera du vent dans les ailes. Maintenant, je dois reconnaître que j'ai un profond respect sur la façon dont l'Afrique a géré cette épidémie de manière beaucoup plus efficace que nous l'avons fait en Europe du Nord. Qu'est-ce qui était le plus frappant ? Leur méthodologie, leur façon de faire accepter à la population le déploiement du système sanitaire, probablement parce qu'ils ont une expérience plus grande de gérer des épidémies, mais on a beaucoup à apprendre de ce qu'ils ont fait en Afrique, beaucoup. Ouais. Ils ont été très sévères, ils ont fermé, le Maroc par exemple, où vous êtes très présent, a fermé sèchement ses frontières et a été après très dur. Après les vacances de Noël, qui est un moment très important, parce qu'il y a eu beaucoup d'activités, hein, notamment au Maroc, en Tunisie, en Algérie. Mais après ça, c'est parti hors de contrôle. Donc, ils ont effectivement tout fermé de manière draconienne, disciplinée, et ça marche. Donc, non, mais on pourrait aller là-dessus. C'est pas un appel au confinement en France. Non, je ne sais pas. C'est pas votre décision, ni la vôtre, ni la mienne. Mais ça va arriver quand même. Et ça peut se produire dès ce soir, évidemment. Cette façon de gérer l'épidémie, est-ce qu'elle vous a fait changer votre perspective sur ce qui passerait après en Afrique ? Pas du tout. Alors franchement, pas du tout. Je vais vous faire une petite analogie. Mes prédécesseurs, qui étaient messieurs Dubrulle et Pélisson, et puis il y a eu beaucoup de diatogues généraux entre eux et moi, ont fait des paris absolument inouïs, réussis sur l'Amérique du Sud. Et aussi, il y a 45 ans. Et en acceptant de perdre de l'argent pendant 20 ans et en se déployant d'abord au Brésil, puis sur l'Uruguay, l'Argentine, le Chili, le Pérou, la Colombie, et ainsi de suite. C'est exactement le même pari que je dois faire aujourd'hui pour mes successeurs sur les 20 ans qui viennent. Il se trouve qu'on a commencé en même temps, mais on y a mis moins de moyens et probablement moins d'audace. Et donc moi, j'ai décidé il y a trois ans que voilà, j'en avais assez qu'on soit timide sur l'Afrique. C'est 25% de la population mondiale dans probablement 25 ans, 30 ans. On n'a pas le droit de ne pas y être. Et pour des raisons de développer le tissu économique local et pour des raisons aussi d'augmenter la part du tourisme, qui est à peine 7% en Afrique, très différent entre encore l'Afrique du Nord et l'Afrique du Sud. Mais enfin, ce n'est que 7%. Dans d'autres pays, on n'est pas loin de 10 ou de 20% en Grèce. Donc on sait qu'on peut aller chercher ces 10%. Mais pour aller les chercher, il faut que l'infrastructure soit là. Et ça va me prendre probablement 10 ans. On va probablement essuyer des échecs dans certains pays. Mais tant pis, ce pari doit être tenté et il va être réussi. Mais il faut entre 5 ans et 20 ans. Entre 5 et 20 ans ? Ah, pour que Accor gagne de l'argent en Afrique, oui. Mais ce n'est pas grave, ça fait partie de ces aujourd'hui, choses. Vous en perdez sur le continent. C'est aujourd'hui, on n'en gagne pas. Donc, ça dépend parce que si on regarde toute l'Afrique, on en perd aujourd'hui. Mais on gagne très bien notre vie sur aujourd'hui la Tunisie, sur le Maroc. Je suppose qu'il y a des pays plus difficiles que d'autres. Il y en a des plus faciles, vous le disiez, Tunisie, Maroc, il y en a qui sont plus difficiles ou presque inaccessibles peut-être. Le plus difficile, c'est de décoder le tissu économique local. Tout le monde le sait bien quand vous regardez. Ce qui va marcher à Addis Ababa ne va pas marcher à Lagos, ne marchera pas non plus à Abidjan. Donc c'est d'accepter le risque du pays concerné, d'accepter de nouer un partenariat avec des gens que vous ne connaissez pas forcément bien, d'accepter la législation gouvernementale locale, d'accepter le risque de change, d'accepter de ne pas avoir les moyens financiers, d'accepter de faire appel à des organismes nationaux, internationaux pour vous financer, d'accepter que les taux d'intérêt sont également très sensibles. Je suis la chose la plus importante pour moi, et je pense qu'ils sont en train de la mettre en place, c'est cette zone de libre-échange. Si effectivement on peut avoir cette zone de libre-échange dite continentale entre les 54 pays, ça peut tout bouleverser positivement pour nous, parce qu'on va pouvoir avoir, j'espère, des règles communes pour justement aller d'un pays à un autre. Et accélérer notre développement. Pour le faire, Nicolas, on a, les gens le savent peut-être, mais
On a pris il y a 3 ans une décision extrêmement importante, c'est qu'on s'est bien aperçu que nos marques et notre savoir-faire ne suffisaient pas. On a 14 000 personnes en Afrique aujourd'hui, il y a à peu près 170 hôtels. On ne peut pas accepter de se développer en Afrique si on n'apporte pas nous-mêmes des moyens financiers. Puis on ne va pas être dépendant des Chinois toute notre vie sur ce continent. Et donc on a décidé de mettre 500 millions d'euros de fonds propres, deux partenaires, Accor mettant 150 millions et le gouvernement qatari mettant 350 millions. Et donc on a créé un fonds qui s'appelle Qatar Hospitality. Et à travers ce véhicule-là, on va pouvoir engager probablement 1,2 milliard, 1,5 milliard d'investissements. D'investissements, donc création d'hôtels. Création d'hôtels. Construction d'hôtels. Construction, ce qui veut dire emploi, ça veut dire intégration des jeunes, ça veut dire faire venir le monde digital dans la formation. Et donc ces 500 millions, c'est probablement le véhicule le plus important en matière d'équipement hôtelier. Et si ça ne suffit pas, on remettra plus d'argent. Il est en train d'être déployé. Et je pense que c'était indispensable pour que je réussisse mon pari sur les 5 ou 15 ans qui viennent. Je prends au vol un mot. Il faut remercier d'ailleurs les Qataris, franchement, oui. Comme d'ailleurs le Moyen-Orient qui est très présent pour apporter des capitaux, mais ils sont peut-être encore plus à l'aise de le faire à travers le savoir-faire d'un groupe comme le nôtre. Vous avez cité la Chine, on ne va pas laisser les Chinois tout prendre, c'était à peu près le sens de votre réflexion. Ils sont très présents, très menaçants, je veux dire très menaçants pour vous en matière concurrentielle. Non, ils sont pas menaçants pour moi, ils sont menaçants pour les pays africains. Mais c'est pas du tout l'idée que j'ai. Les pays africains ont besoin de financement. Ils vont donc le chercher là où ils se trouvent. Les Chinois ont été capables de répondre présent. Donc on va d'abord les remercier, mais on ne peut pas être dépendant uniquement d'une source de capitaux. Donc il faudrait que l'Europe et le Moyen-Orient et d'autres soient là aussi présents que les Chinois. Donc, mais c'est vrai qu'ils sont partout. Il ne faut pas laisser la place seule. Dans les conditions que vous énumériez, Sébastien Bazin, il y a un instant, pour se développer dans les pays d'Afrique, il y avait aussi trouver des partenaires, accepter qu'ils ne soient pas forcément des partenaires qu'on connaît. Il y a en Afrique un réseau d'entrepreneurs et de partenaires potentiels partout sur lesquels vous appuyez. Oui, ils sont, encore une fois, il y a peu de partenaires panafricains. Et ça, c'est une des choses sur lesquelles il faut que les uns et les autres arrivent. Ils sont très locaux. Ils sont très locaux. Ouais. Ils sont très locaux en plus par ville. Et pour beaucoup d'entre eux, ils ont des moyens qui sont importants pour la ville concernée, mais qui ne sont pas illimités. Et puis certains d'entre eux sont très liés au régime en place, certains d'entre eux le sont moins. Et pour nous, la lecture de cette association entre le gouvernement, la législation, le partenaire local, elle est extrêmement difficile. Et on peut se tromper et on va se tromper. Mais on n'a rien fait en Afrique sans avoir à chaque fois un partenaire local dans le pays concerné, parce que c'est celui qui nous apprend les codes du pays. Et les emplois, et les employés. Est-ce qu'il y a une employabilité ? C'est un secteur qui est très exigeant sur le plan des services. L'Afrique n'a pas la réputation d'être number one dans ces services-là. Est-ce que, non, est-ce mais que vous ils avez ont un tout. Souci de ce côté-là ? Ils ont, pour ceux, moi j'y suis allé souvent, hein, l'Afrique, le continent africain vous prend aux tripes. Oui. Donc on n'en revient pas indemne et on a envie d'y rester, on a envie de le découvrir. La jeunesse africaine est une jeunesse formidable pour entrer dans le métier hôtelier, pour deux titres. Un, c'est qu'en termes de culture, ils aiment prendre soin de l'autre, ils aiment accueillir l'autre, oui. Ce qui est extrêmement important. Et la deuxième chose, c'est que le monde que je dirige, Accor, nous employons 80 000 nouvelles personnes par an. 30 000 qui partent, c'est-à-dire 10% des 300 000 personnes que nous avons, et 50 000 que nous engageons parce que nous ouvrons un hôtel par jour. Et donc 365 hôtels a besoin de 50 000 nouvelles personnes. Et vous savez quoi ? La moitié des 80 000 personnes que nous embauchons par an n'ont pas de bagages éducatifs. Et donc l'ascenseur social que représente le groupe Accor est juste formidable, parce que le défi de l'Afrique, on en a parlé sur les capitaux, mais le plus grand défi, c'est qu'on sait tous que d'ici 2045-2050, 50% de la population africaine aura moins de 25 ans. Ouais. Et donc, c'est comment bénéficier de cette jeunesse, de cette énergie, de ce dynamisme, et comment les intégrer dans le monde de l'emploi. Et donc, j'espère que le groupe Accor sera un des facteurs pour ceux qui sont un peu plus démunis que d'autres. Eh bien, ils peuvent rentrer comme bagagistes, ils peuvent rentrer comme commis de cuisine, ils peuvent rentrer comme électricien. On va leur apprendre un métier. C'est d'ailleurs pour ça que je perds 10%. C'est parce qu'on a fait ça sur le Laos, sur le Chili, sur la Birmanie, sur plein de pays. Investissement humain. 97% de mes 14 000 personnes en Afrique sont africains. Donc, c'est-à-dire sont du pays ou de la ville dans lequel nous avons bâti un hôtel. De l'endroit où vous bâtissez. Étienne Giraud, tout à l'heure, disait que l'image de la France a reculé, en tout cas depuis une courte période, l'image de la France en Afrique. Est-ce que vous êtes une marque française là-bas ? Et est-ce que vous ressentez éventuellement ce problème d'image ? Alors, j'essaie de faire l'inverse. En fait, Accor est un groupe de racines françaises. Oui.
mais je veux surtout que ça s'arrête là. Et il y a pourtant une hospitalité à la française. Ouais, je ne suis pas sûr. Non, ça n'existe pas. Non, je ne suis pas sûr. Vous allez J'ai cru. Oui, on y a cru, vous et moi, mais vous allez à Bali aujourd'hui. C'est marrant, ils nous reçoivent mieux que si vous étiez à Paris. Donc, non, il y a. Et les Africains n'ont rien à apprendre de personne d'autre. Là où j'ai une de mes limitations, c'est bien sûr, nous avons une éducation, une racine française. J'espère une audace française. Mais mon Dieu, je veux que toutes les marques du groupe soient des marques locales. Pourquoi ? C'est parce que dans ces gens que nous employons, nous devenons très vite le plus grand employeur, très vite l'approvisionnement local, ça irrigue une personne sur quatre là où nous sommes. Et donc, on doit être responsable de l'environnement, de l'approvisionnement, de l'empreinte carbone, de tout ce qui se passe. Et donc, plus on va être vécu comme une marque locale, mieux ça va se passer. On l'espère tous et ça va se passer. En 2021, la crise sera à un moment ou à un autre derrière nous. Est-ce que le modèle va changer pour vous ? Est-ce que le modèle, oui, on le dit beaucoup, il y aura un nouveau monde, moi j'y crois modérément, mais est-ce que le modèle va changer ? Alors, ce n'est pas le modèle qui change, c'est la clientèle qui change, ce qui va peut-être nous conduire à changer le modèle. Ouais. Vous avez aujourd'hui, de manière indéniable, deux évolutions frappantes. Les deux vont d'ailleurs vont frapper l'Afrique comme partout d'ailleurs dans le monde. Première évolution, besoin énorme de se ressourcer, besoin d'aller découvrir la nature, besoin de la respecter et donc besoin de s'enrichir, tant en termes de gastronomie que de découverte de l'autre, que de culture, que d'architecture. Et donc vous allez avoir un ensemble de gens dans lesquels le produit va leur importer beaucoup moins que le service lui-même. Et d'accord. Donc un groupe comme le nôtre, on va pouvoir irriguer et emporter avec nous des gens qui vont, j'espère, passer 5 jours à Abidjan et non pas 3 jours pour enfin découvrir ce qui se passe autour de ce pays. Et sortir de la piscine. Si et sortir de la piscine. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose et qui est très enrichissant parce que comme on a 97% de gens locaux, ce sont les premiers qui ont envie de faire découvrir leur pays. D'accord. Deuxième chose, télétravail, ce qu'on est en train de faire là avec le Zoom. Ça marche, ça m'enquiquine parce que je vais perdre 10% de ma clientèle internationale parce qu'elles vont rester en Zoom. Parce qu'ils vont moins voyager, mais il faudra quand même aller voir le client. Oui, pour certains d'entre eux, mais ça ne m'enquiquine pas non plus parce que l'autre côté de la médaille, c'est que vous allez avoir énormément de gens qui vont être capables de travailler de n'importe où. Et les gens qui ne veulent pas retourner dans leur bureau pour des raisons de transport et autres ou de qualité de vie, vous allez voir qu'ils n'ont pas envie non plus de rester chez eux parce que c'est confiné, parce que le Wi-Fi ne marche pas. Et donc le monde hôtelier va être capable d'irriguer du jeudi soir au mardi des gens qui vont travailler le vendredi et le lundi de mon hôtel dans lequel tous les services sont là, mais qui vont bénéficier de ces 4 jours pour pouvoir amalgamer leur qualité de vie, leur monde du travail. Et c'est déjà commencé, je veux dire, oui, c'est parti, ça. C'est vrai ? Bien sûr, c'est parti. C'est parti depuis à peu près 6 mois. Et les employeurs le demandent, parce que les employeurs doivent répondre positivement à leurs collaborateurs. Et franchement, nous sommes très bien placés pour accueillir ces gens-là. Je me suis toujours battu depuis 7 ans. 99% de notre métier, c'était d'accueillir quelqu'un d'une autre ville ou d'un autre pays. Par essence, parce qu'il a besoin d'un lit et d'une douche. Eh bien, en fait, c'est stupide. Je devrais avoir 80% de mon métier qui s'adresse au monsieur qui habite dans la rue d'à côté. Parce que de 8h du matin... Et qui a envie de changer d'air. Qui a envie surtout d'être accueilli entre 8h du matin et 8h du soir. Et les deux populations se mixent très bien. Pourquoi mes hôtels doivent-ils rester libres entre 8h du matin et 8h du soir ? Donc je dois m'adresser à mon quartier, aux gens qui vivent autour de moi, aussi bien qu'à ceux qui viennent d'ailleurs. L'hôtel du quart d'heure. L'hôtel du quartier. Pour référence à la notion développée par la maire de Paris. Est-ce que ça veut dire que vous allez construire, que vous avez déjà transformé des hôtels ou que vous allez les construire différemment ? Alors, on les construit différemment parce qu'on essaye de mutualiser ce qu'on appelle dans notre jargon le « back of the house », c'est-à-dire ce que le client ne voit pas. Donc, on fait beaucoup d'hôtels qui s'appellent des combos, c'est-à-dire qu'on met un Ibis à côté d'un Novotel, on met un Adagio à côté d'un Mercure. Donc, en fait, on massifie les services communs avec des chambres différentes, mais dans un même emplacement. Donc, ça peut être deux bâtiments ou un seul bâtiment avec une entrée commune. Donc, non, il y a beaucoup de choses. On devient plus intelligent avec l'âge, hein. Oui, il paraît. Simplement, je reviens sur la construction différente. Si vous voulez faire utiliser les hôtels différemment, y compris dans la journée, on n'a pas besoin des mêmes services. On n'a pas besoin des mêmes lieux. Ça ne change pas grand-chose, Nicolas. Franchement, pour aller accueillir des gens qui viennent travailler, ils peuvent travailler très bien pendant 2 heures, 3 heures dans un lobby. On va avoir des espaces probablement plus réservés. Mais entre auditorium, salle de réunion, le bar, le restaurant, le lobby, si vous saviez le nombre de mètres carrés non utilisés. Et ça va être sous forme d'abonnement. Et puis, on va accueillir ceux qui ont besoin d'être accueillis, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un bureau. Les Africains aiment voyager aussi. Ils aiment venir en France. Tous les ans, le CIAN organisait un grand forum à cette époque-là de l'année. Cette année, à cause évidemment du Covid, tout ça est reporté. On fait une première section, conférence en visio, et puis on se retrouvera en juillet à Paris. Est-ce que vous avez un message particulier à adresser à tous ceux qui, en Afrique, nous regardent ou à adresser
aux Français pour qu'ils aillent avec vous en Afrique ? Alors, les messages sont complètement différents. Sur les Français qui partent découvrir l'Afrique, j'ai un seul message, respectez l'Afrique. C'est un endroit dans lequel vous n'avez pas le droit d'y aller pour une nuit ou deux jours. Vous devez y rester 7 jours pour comprendre quelque chose. On ne comprend rien en une nuit sur place. Le message pour les Africains, avant de voyager ailleurs, découvrez votre région. Ce qui est frappant dans les chiffres du tourisme aujourd'hui en Afrique, 8 personnes sur 10 en Europe viennent d'Europe. C'est ce qu'on appelle un marché domestique intra-régional. En Afrique, c'est 1 personne sur 2 viennent de la région. Franchement, qu'ils aillent déjà découvrir leur pays à 4 heures de chez eux, qu'ils aillent découvrir le pays d'à côté avant de changer de continent, ça changera beaucoup de choses pour le tissu économique local, pour l'emploi et pour la jeunesse. Donc découvrez d'abord votre pays. Et pour la fierté du continent. Il est aussi riche que ce qui se passe ailleurs. Et pour la fierté du continent. Et pour la fierté du continent, l'audace, je pense que le plus important, c'est ce que disait monsieur avant sur l'image des Français. Mon Dieu, on a une responsabilité, on doit faire preuve d'audace, qu'on doit accepter le risque, mais on ne peut pas être absent, et humainement et professionnellement, de l'Afrique. Impossible. Ou alors on est aveugle. Ce tourisme intra-régional, il est assez raccord avec ce que les compagnies aériennes semblent penser du redécollage, si j'ose dire, des trafics aériens. C'est le continent des 30 prochaines années. Personne n'a aucun doute là-dessus. La seule chose, c'est que si on n'est pas prêt d'y participer, on passera à côté. Merci beaucoup. Merci. Merci Sébastien Bazin. Merci pour tous ces messages et cette vision que vous avez de votre métier et de ce métier appliqué à l'Afrique. Merci Nicolas. Merci. Je vais passer la parole. Encore merci Sébastien Bazin de nous avoir informé et tenu au courant de vos projets sur l'Afrique et de tous ces messages que vous avez passés. Je vais passer la parole maintenant à Étienne Giros, le président délégué du CIAN, que je remercie de sa confiance parce que c'est grâce à vous, Étienne, que nous avons pu travailler pour la première fois en commun et démarrer une longue collaboration. En tout cas, c'est mon souhait. Nous sommes heureux et fiers d'avoir publié ce magazine qui a été réalisé sous la direction d'Olivier Bacusa, le rédacteur en chef qui s'occupe de nos événements et de nos numéros spéciaux à l'Opinion. Donc je le remercie aussi au travers de ces quelques mots. Étienne, je vous passe la parole pour la conclusion. Et encore une fois, merci à tous ceux qui nous ont suivis. C'était une matinée riche. On se retrouvera en juillet. En présentiel, comme on dit, ce mot horrible, mais cette perspective si réjouissante. Merci. Merci Nicolas. Effectivement, nous arrivons au terme de ce forum digital. Et je dois d'abord remercier très sincèrement toute l'équipe technique et toute l'équipe qui a travaillé à préparer cet événement, car nous avions devant nous un défi qui était de faire parler une quinzaine d'orateurs, pour la plupart éloignés de centaines ou de milliers de kilomètres, et je crois que ça a marché. Vous êtes plusieurs centaines, voire plusieurs, vous avez dépassé le millier d'orateurs permanents, d'auditeurs permanents, et donc je vous remercie beaucoup de votre présence et merci à tous. Comme l'a dit Nicolas, nous nous retrouvons au 1er juillet 2021, donc dans 3 mois maintenant, pour la suite de cet événement, cette fois-ci en présentiel, c'est-à-dire en physique, et nous retrouverons peut-être, nous l'espérons, notre habituel contact qui nous est si cher pour nous développer en Afrique. Et donc, nous attendons, vous serez tenus au courant des modalités. Je voudrais aussi vous dire que si vous voulez écouter ou réécouter ce qui s'est dit ce matin, vous pouvez aller soit sur YouTube, soit sur le site du forum Afrique, Sian L'Opinion, où vous pourrez réécouter à loisir tout ce qui a été dit et notamment tous les tableaux qui vous ont été présentés. Et enfin, je voudrais vous dire ma satisfaction que ce soit le premier événement de l'année 2021 sur l'Afrique de cette envergure qui était conduit par le secteur privé. Les entreprises sont un facteur absolument clé pour le développement de l'Afrique et vous savez que nous pensons tous que la France a une carte à jouer très forte sur ce continent pour beaucoup de raisons et les chiffres que nous avons vus tout à l'heure sur l'image de notre pays doivent nous encourager à mettre davantage le secteur privé et les entreprises dans le jeu de la relation franco-africaine et c'est ce que nous avons essayé de faire aujourd'hui. Nicolas, merci beaucoup pour la participation et le partenariat avec l'Opinion. C'est la première fois et je crois que c'est une réussite. Alors merci à tous et je vous souhaite une bonne fin de journée et déjà noté sur vos calepins, 1er juillet, on vous attend tous. Au revoir.